vivant sur notre chère planète incarne de manière éloquente l'extraordinaire capacité de l'univers à créer un équilibre parfait et à faire ensuite ce à quoi la vie est destinée, prospérer. Prospérer est le cours naturel de la vie. Penchons-nous sur ce qui représente sûrement l'une des plus grandes merveilles de ce monde. Comment un œuf minuscule et un seul spermatozoïde doté d'un courage à toute épreuve sont-ils capables de déclencher un processus qui donne naissance, au final, à l'un d'entre nous? Un être aux capacités multiples et au potentiel illimité, pourvu d'un cerveau capable d'une réflexion autonome complexe et en constante progression. De jambes pour danser et courir, et de doigts assez habiles pour tresser un panier, jouer du violon ou caresser un visage. Si la nature nous enseigne une chose, c'est bien que la vie est censée fonctionner et que, comme toute chose vivante, notre but est de prospérer. Et pourtant, pour une majorité des habitants de la planète, la vie ne laisse pas de place à cette prospérité. Elle consiste simplement pour eux à survivre, à essayer de tenir bon. Est-ce vraiment le mieux qu'on puisse faire? L'univers a-t-il œuvré pendant près de 14 milliards d'années pour, finalement, engendrer une espèce qui soit l'ennemi de la vie elle-même et de sa propre planète? Je ne crois pas. Je m'appelle Foster Gamble. J'ai passé pratiquement toute ma vie à essayer de comprendre ce qui pourrait expliquer l'appauvrissement et la bouleversante agonie de notre planète. Dans ma jeunesse, poussé par la misère dont j'étais témoin et par mes craintes pour notre survie, je suis parti en voyage en cherchant la réponse à différentes questions. L'humanité est-elle seulement capable de prospérer? Si oui, pourquoi ne prospérons-nous pas? Mes recherches m'ont conduit en des lieux où jamais je n'aurais pensé me rendre, révélant de surprenantes découvertes, apparemment sans rapport entre elles, mais qui se sont finalement révélées, intimement liées. Comme vous pourrez le constater, j'ai découvert un code, un motif naturel intégré dans l'art et les icônes à travers les siècles. Je crois que ce code est la clé d'une nouvelle source d'énergie, propre et renouvelable, qui pourrait totalement révolutionner la vie de l'humanité. Je suis parvenu à comprendre comment notre système économique était manipulé et j'ai découvert ce que nous pouvions faire pour que ça change. Mon voyage m'a fait découvrir des manières de reprendre les choses en main et de créer des systèmes libérateurs et sains partout sur la Terre. J'ai compris que nous ne sommes pas une erreur, nous sommes simplement trompés. Nous avons été inconscients de notre éclat, dépouillés de notre force, ignorants de notre génie. Inconscient de notre véritable pouvoir et de notre splendeur. Mais tout cela est sur le point de changer. Je vous invite à partager les moments forts de mon invraisemblable voyage. J'ai créé ce navigateur afin de nous faire voyager dans le temps et l'espace. Laissez-moi vous donner un aperçu. Sur cet écran, nous pouvons accéder à ce que j'appelle nos constantes. Il s'agit de données critiques qui ne nous sont pas communiqués par les médias institutionnels qui, aux États-Unis, sont passés de 50 sociétés à 5, en à peine plus de 25 ans. Nous les utiliserons pour vérifier comment nous allons vraiment. L'écran de droite illustre l'établissement d'un système de vie sain et durable sur la planète Terre. C'est ce que j'appelle les aperçus de navigation. Et voici notre boussole. Au lieu d'utiliser une aiguille pour chercher le nord dans le champ magnétique terrestre, notre boussole correspond à la structure du champ lui-même. Et cette structure, comme vous le découvrirez bientôt, possède d'étonnantes ramifications technologiques et sociales. Après avoir consacré ma vie à cette quête, j'en suis arrivé à croire que ce modèle détient en fait la clé pour créer un monde qui fonctionne pour tous. Alors allons-y.
J'ai grandi dans un monde de privilèges et de pouvoir. J'ai suivi des cours dans des écoles privées d'élite, puis à l'université de Princeton. En tant que descendant direct de l'un des fondateurs de Procter & Gamble, j'ai été conditionné pour être un meneur de l'établissement. Mais j'ai choisi une voie différente. J'ai commencé à en prendre conscience quand j'étais à l'école primaire. Les adultes m'enseignaient qu'en cas d'explosion nucléaire, je devais, pour me protéger, me cacher sous mon bureau et couvrir ma tête. C'est là que j'ai commencé à me poser de sérieuses questions. Quelques années plus tard, j'ai fait l'expérience directe de l'énergie universelle. Cela s'est produit un jour alors que je regardais par la fenêtre du bus qui m'emmenait à l'école. J'ai eu la vision d'une forme tourbillonnante et j'ai compris que le flux d'énergie que je voyais était le même dans un atome que dans notre système solaire tout entier. J'ai profondément ressenti que j'étais également, d'une certaine manière, constitué sur la base de ce même modèle. C'est cette vision qui, à l'origine, m'a donné goût à la science et m'a poussé à essayer de comprendre comment l'univers fonctionne et comment les humains trouvent leur place dans ce modèle global d'énergie vitale. Des années plus tard, j'ai appris que la forme que j'avais vue est connue de certains membres de la communauté scientifique. Il s'avère qu'en 1921, Albert Einstein a reçu le prix Nobel pour avoir découvert que lorsque de l'énergie est libérée dans l'univers, de la plénitude en émerge. Ce modèle nous en dit vraiment long sur la manière dont la vie évolue. Considérant les merveilles immuables de la création à travers l'univers et le caractère non viable de tant de systèmes humains, je me suis dit qu'apprendre comment l'univers crée et encourage la vie pourrait se révéler très utile. Chacun de ces paquets d'ondes de plénitude qu'Einstein a découvert, que l'on appelle quantum, ou dans ce cas un photon, est constitué de ce qui l'entoure, mais en reste distinct. Tel un tourbillon dans l'eau. Ces paquets ont toujours la même forme, quelle que soit leur taille. De manière surprenante, ils ont un lien avec des questions apparemment sans rapport, comme la guerre au Moyen-Orient, l'effondrement financier global et comment obtenir justice pour tous. Nous sommes sur le point de découvrir comment. Les mathématiciens nomment ce modèle le tore. Dans un tore, l'énergie arrive par une extrémité, circule autour du centre et ressort par l'autre extrémité. Un tore est équilibré, autorégulé, est toujours entier. Officiellement, c'est le scientifique et inventeur Arthur Young qui m'a, le premier, présenté le tore. Le futuristique Dwayne Elgin explique comment le tore constitue le modèle primaire utilisé par la nature pour la vie à tout niveau. L'évolution implique de s'ouvrir, se déployer. La question est donc la suivante, qu'est-ce que l'univers déploie ? Ce que l'univers déploie, ce sont des systèmes auto-organisés, et vous pouvez le constater à tout niveau. Un système auto-organisé est un terme technique utilisé pour décrire simplement un système qui se connaît lui-même en profondeur. Nous pouvons voir et observer ces formes auto-organisées partout dans la nature. Nous les trouvons sur la coupe transversale d'une orange ou d'une pomme. Nous les observons dans la nature dynamique d'une tornade. Nous les voyons dans le champ magnétique autour de la Terre et dans un champ magnétique similaire autour d'un individu. Nous pouvons le voir dans la structure d'une galaxie spirale tout entière. Nous pouvons l'observer dans la structure d'un petit atome.
À toutes les échelles et au cours de toute son histoire, l'univers a un projet unique, cultiver des torts. L'univers est une usine qui cultive des torts. Ces dynamiques toroïdales sont visibles à différents niveaux. L'un d'entre eux est le niveau galactique. D'énormes structures tournoyantes composées de milliards d'étoiles. Généralement, cela ressemble à de grands bras de galaxies qui se retournent et qui se caractérisent par des tourbillons qui partent du centre et s'étendent jusqu'au bord du halo galactique qui les entoure. Les étoiles quittent le disque galactique pour arriver dans le halo, descendent dans les tourbillons et repartent en arrière de nouveau. Des étoiles que nous connaissons, telles qu'Arcturus par exemple, ont déjà emprunté cette voie. Cette description s'applique même à l'atmosphère de notre planète. Les conditions météorologiques partent du pôle Nord pour descendre à l'équateur, puis font marche arrière. Depuis le pôle Sud, elles remontent vers l'équateur puis redescendent. Même les dynamiques à la surface du Soleil sont très similaires. Bien sûr, dans le cas présent, nous adoptons une approche depuis une perspective extérieure, sur un modèle à petite échelle. Quand vous regardez le système solaire ancré dans la galaxie, ancré dans l'amas, ancré dans le super-amas, nous voyageons dans cette mer infinie où circule une infinité de torts. Le tor est comparable à la respiration de l'univers. Il s'agit de la forme que prend le flux d'énergie à tout niveau de l'existence. Mais il y a également une structure sous-jacente dans laquelle les flux s'assemblent, comme une sorte de squelette. Elle porte le nom de Vector Equilibrium, un terme inventé par l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, Buckminster Fuller. Inspiré par le travail visionnaire de Fuller, j'ai passé des dizaines d'années à effectuer des recherches sur les dynamiques du Vector Equilibrium et du tor. Le potentiel de la forme d'énergie toroïdale m'a tellement subjugué qu'en 1997, j'ai cofondé un groupe de réflexion multidisciplinaire, le Symposium Sequoia, afin d'étudier ce modèle et d'explorer ses applications. Les recherches que nous avons cumulées m'ont convaincu que le tor et le Vector Equilibrium sont des modèles primaires fondamentaux pour la création de l'univers à tout niveau. Lors des réunions du Symposium Sequoia, j'ai appris que certains inventeurs prétendaient utiliser la dynamique du tor comme point de départ pour des appareils générant de l'énergie sans combustion. Ce progrès révolutionnaire, ouvrant sur ce qui est parfois appelé point zéro, radiant ou encore énergie libre, est désormais plus simplement appelé technologie de la nouvelle énergie. Puisque la souffrance dans notre monde résulte si souvent du manque d'accès à l'énergie, j'ai réalisé qu'une énergie gratuite, illimitée et propre constituerait l'une des avancées les plus marquantes de l'histoire. Plus qu'améliorer, cela pourrait carrément transformer la qualité de la vie sur cette planète. J'ai donc commencé à me demander qui d'autre avait connaissance de ce modèle, de cette puissante source d'énergie potentielle. Lors du symposium, des scientifiques m'ont montré comment le tor avait été encodé par différentes cultures depuis des millénaires. Apparemment, les cultures ancestrales ont ancré ce code dans les formes les plus durables dont elles disposaient, dans les histoires, les icônes, les alphabets et les constructions. Nous voici sur l'un des plus vieux sites sacrés du monde, le temple d'Osiris à Abydos, en Égypte. Très peu d'écrits ont été trouvés dans le temple d'Osiris. Cependant, il existe une information très importante dans ce temple. Sous la forme d'un dessin à peine visible, mais clair et précis. Il n'est pas gravé dans la roche. Il n'est pas sculpté. De manière extraordinaire, il est brûlé dans la structure atomique de la roche. Extraordinary way.
Nassim a décodé le symbole d'Osiris en trois dimensions. Étant donné que notre monde n'est pas en deux dimensions, il est logique que les codes donnant des informations à son sujet ne soient pas limités à des représentations plates. Sa version tridimensionnelle du symbole d'Osiris commence par le vector equilibrium, un champ de force parfaitement équilibré, avec 12 lignes d'énergie égales qui rayonnent. Elle stabilise son centre comme les 12 rayons d'une roue. Le modèle primaire du flux d'énergie équilibré autour de cette structure est le Thor. Nous passons maintenant au niveau suivant, plus vaste, avec un total de 64 pyramides appelées tétraèdres. Si nous plaçons des sphères dans la représentation du champ d'énergie toroïdale entourant chacune des pyramides, et que nous écartons les pyramides, nous nous retrouvons avec une matrice qui, étonnamment, se superpose exactement à l'icône d'Osiris, un modèle en trois dimensions de celui brûlé dans le mur du temple égyptien il y a des milliers d'années. Maintenant, changeons de continent, passons de l'Égypte à la Chine, où la même géométrie apparaît sur un autre site sacré construit en 1420. Then you go to the forbidden city. Rendons-nous à la cité interdite, où résident les dieux du soleil, et où l'on trouve à l'entrée les chiens fous, gardiens de la connaissance. Ils gardent la connaissance sous leurs pattes. La même géométrie de 64 unités d'énergie est de nouveau encodée. Je me suis alors demandé si le fait que le même dessin apparaisse dans des lieux importants sur deux continents différents était une simple coïncidence. Mais ensuite, Nassim m'a montré que cette géométrie de 64 unités d'énergie est encodée dans différentes cultures tout au long des siècles, partout dans le monde. L'arbre de vie kabbalistique hébreu crée également une structure identique, le vector equilibrium, y est de nouveau intégré à chaque niveau. L'antique sagesse chinoise intitulée Yi Jing est basée sur 64 hexagrammes, symbole composé d'une série de 6 lignes, certaines continues, d'autres cassées. Ceci, une fois assemblés comme les 6 bords d'un tétraèdre, forme le cristal à 64 tétraèdres. Le même modèle réapparaît dans la recherche scientifique moderne. La double hélice se caractérise par un alphabet de 64 codons utilisés pour encoder notre ADN humain. J'avais constaté que la connaissance de la géométrie vivante de l'univers était très avancée il y a des milliers d'années. Mais comment donc pouvait-il en savoir autant ? La plupart des histoires de l'Égypte ancienne, des Mayas et des Incas, évoquent les dieux du soleil descendant sur la terre et enseignant aux hommes l'ingénierie, l'écriture et toutes leurs sciences. J'ai commencé à me demander si tous ces dieux du soleil n'étaient pas des civilisations avancées provenant d'une autre partie de notre galaxie. Dans beaucoup de cultures anciennes, les textes les décrivent comme arrivant dans des bateaux volants, ou dans la tradition védique, des machines volantes, etc. La venue de ces dieux du soleil a été mentionnée à maintes reprises à travers l'histoire. Se pourrait-il que ces premiers pilotes d'au-delà de notre monde soient à l'origine du partage de ce code ? Se pourrait-il qu'ils exploitent vraiment son pouvoir pour se propulser à travers le cosmos ? Je ne pensais pas que mes recherches me mèneraient jusque-là, et ces notions ont ébranlé mon univers. Mais Nassim disposait de preuves imposantes pour appuyer ses théories, et je ne voyais pas d'autres moyens rationnels permettant d'expliquer que des concepts mathématiques et physiques avancés remontent à plus de 3000 ans. J'ai fait appel à l'un des chercheurs les plus expérimentés, le docteur Stephen Greer,
fondateur du Centre d'études de l'intelligence extraterrestre. Il a mené des centaines d'entretiens avec des témoins militaires et gouvernementaux haut placés. Donc lorsque nous parlons d'intelligence extraterrestre, nous parlons de civilisations douées de sensations, comme nous, mais dont les technologies et peut-être les capacités sociales sont telles qu'elles ont été capables de devenir des civilisations interstellaires ou interplanétaires. Si vous considérez le fait que les estimations les plus prudentes suggèrent que dans la galaxie de la Voie lactée, il existe au moins 10 000 planètes identiques à la Terre, avec une vie intelligente, et qu'il est probable qu'au moins la moitié soit au moins aussi avancée que nous, il devient presque certain qu'il existe une vie intelligente en dehors de la Terre, qui maîtrise les lois de l'univers au-delà de ce qui est actuellement enseigné au MIT et à l'Institut de technologie de Californie, suffisamment pour être capable d'effectuer des transferts à travers l'espace-temps, en temps réel, sur de grandes distances interstellaires. Nous disposons de plus de 4000 cas d'objets ayant atterri sur la Terre ferme et ayant laissé une preuve physique de leur passage. Nous disposons de plus de 3500 cas de pilotes rapportant ces faits. Nous disposons de centaines de cas, y compris celui du plus éminent chercheur de l'administration fédérale de l'aviation civile américaine, John Callahan, ainsi que de nombreux autres opérateurs ayant pu suivre sur radar ces objets parcourant des dizaines de milliers de kilomètres par heure ou se dématérialisant et réapparaissant ensuite à un autre endroit du ciel. Oui, il y a bien eu visite extraterrestre. Il y a eu des vaisseaux écrasés. Il y a eu des matériaux et des corps récupérés. Nous sommes en contact avec des étrangers qui ne viennent pas d'un autre pays, mais d'un système solaire différent. Et j'ai été complice de cela. J'ai vu des documents faisant référence au Roosevelt rapportant plusieurs exemples d'objets volants non identifiés, et ce particulièrement après le chargement à bord d'armes nucléaires. Et mon commandant m'a dit « Jordan, qu'as-tu dans ton journal de bord ? Ce n'est jamais arrivé. » Les membres d'équipage qui étaient de service ainsi que ceux qui venaient de terminer ont tous vu l'OVNI voler en plein ciel. C'était un objet métallique circulaire, et d'après ce que j'ai compris, les missiles étaient à l'arrêt. Cela signifie qu'ils étaient hors service. Quelque chose avait mis ces missiles hors service. Maintenant, rappelez-vous, ces objets volent à plusieurs milliers de kilomètres par heure. Cette chose tire un faisceau lumineux vers l'ogive, la touche, puis repart dans les airs. Alors que nous sommes tous ébahis, elle tire à nouveau, fait le tour, tire encore, puis encore, et disparaît comme elle est venue, et l'ogive HS. À ce moment-là, nous avons eu la sensation d'avoir été en présence d'extraterrestres. Ils ont pris le film, ont dévidé la pellicule jusqu'à l'endroit où apparaissait l'OVNI, puis ils ont pris une paire de ciseaux et ils ont coupé. Ils ont mis cette partie sur une autre bobine et l'ont rangée dans leur porte-document. Ils ont rendu le reste du film au Major Mansman et lui ont dit « Pas besoin de vous rappeler, Major Mansman, la gravité d'une atteinte à la sécurité nationale, n'est-ce pas ? Nous considérons que l'incident est clos. » Allez raconter que vous avez été impliqué dans un incident avec un OVNI. On vous regardera en se disant qu'on ferait mieux de vous passer la camisole. Parmi toutes les preuves attestant de l'existence des OVNIs, un phénomène extraordinaire ne cesse de me surprendre et de m'inspirer. Il s'agit, un peu partout dans le monde, de l'apparition des crop circles, cercles dans les champs. Ces formes élaborées apparaissent mystérieusement dans les cultures de céréales, de telle manière que les tiges sont couchées, mais pas coupées. 5000 de ces formes sont apparues dans 30 pays, essentiellement en Angleterre. Les médias ont incité beaucoup de gens, moi y compris au début, à voir dans ces formes un canular, l'œuvre d'un petit réseau de blagueurs agissant la nuit. Bien sûr, il y a eu de fausses versions, mais celles réalisées par la main de l'homme sont grossières en comparaison avec la majorité de ces élégantes créations. Les blagueurs ont-ils pu créer l'ensemble des 5000 formes répertoriées ? Un petit nombre de personnes équipées de cordes et de planches a-t-il pu créer quelque chose d'aussi complexe et beau, en plein milieu de la nuit, sous une pluie battante et sans laisser d'empreintes dans le sol ?
Le champ magnétique à l'endroit où les cultures ont été couchées pour créer l'image est souvent chargé en électricité statique. Certaines de ces surfaces sont jonchées d'étranges particules magnétiques. L'une des créations les plus étonnantes ne représente pas un cercle, mais un rectangle qui semble être une réponse directe à un message envoyé dans l'espace en 1974. Le message était un signal radio indiquant la localisation de notre planète dans le système solaire et la présence des terriens, envoyé dans l'espoir qu'il puisse être reçu et interprété par une intelligence extraterrestre. 27 ans plus tard, en 2001, cette création sur culture est apparue en Angleterre, avec ce qui pourrait bien être un autoportrait de l'expéditeur. Ce message correspond au format du signal de la NASA et décrit un système solaire différent du nôtre. Il fournit une image de l'expéditeur, de l'ADN non humain et une antenne micro-ondes qu'ils ont apparemment utilisée pour communiquer au lieu de l'antenne radio que nous avions utilisée. Le symbole de l'antenne était apparu une année auparavant exactement dans le même champ, juste à côté d'une antenne radio en service, similaire à celle que la NASA avait employée pour envoyer le signal original. La NASA continue de nier tout contact extraterrestre, quel qu'il soit. Et pourtant, année après année, ces créations spectaculaires apparaissent. Que peuvent-elles donc signifier? Voici des versions bidimensionnelles qui semblent révéler le tore en 3D. Ici, nous avons le vecteur équilibré. Et la forme correspondante de 64 unités d'énergie que nous avons vues encodées dans les arts de tant de cultures anciennes. Lorsque j'ai constaté la cohérence entre les crop circles et les encodages antiques, j'ai pensé sans préoccuper de qui les avait créés et de leur provenance, que ces dessins devaient avoir un rôle important. Ils sont tellement cohérents. J'en suis venu à croire que le modèle du tore et le vector equilibrium, particulièrement sous la forme du cristal à 64 tétraèdres, nous montre comment l'énergie fonctionne dans l'univers, afin que nous puissions apprendre à nous aligner sur elle. Je crois qu'ils nous fournissent un modèle pour accéder à l'énergie d'une manière propre, sûre et illimitée, ainsi qu'un nouveau moyen de propulsion. Quel message plus important pourrions-nous recevoir, surtout maintenant, de leur point de vue, étant donné que nous commençons à étendre notre emprise négligente au-delà de notre planète? J'ai eu confirmation de cette notion lorsque j'ai rencontré le docteur Jack Kasher, ancien professeur de sciences physiques à l'Université du Nebraska, qui a également mené des recherches sur les phénomènes liés aux ovnis. Lors de sa présentation au symposium Sequoia, le docteur Kasher a montré une remarquable série de dessins réalisés par une femme, Lane Andrews, qui prétendait avoir été invitée sur un vaisseau extraterrestre. J'ai été surpris de voir les croquis détaillés du champ d'énergie toroïdale dont elle expliquait qu'il propulsait l'engin et protégeait ses passagers.
Par la suite, je me suis entretenu avec James Gilliland. James dispose de nombreuses heures de films portant sur les ovnis dans son ranch de Mount Adams, dans l'État de Washington. Il prétend également avoir été embarqué à bord d'un vaisseau extraterrestre. Ce qui m'a sidéré, c'est le fait qu'il n'avait jamais rencontré Len Andrews et qu'il n'avait pas connaissance de son expérience. Pourtant, il a décrit un phénomène étonnamment similaire. De nombreux vaisseaux pourvus d'anneaux de lumière tournoyants. Se pouvait-il que le fait que James et Lane décrivent la même dynamique du Thor et que ces deux personnes aient été considérablement harcelées par le gouvernement et les militaires soit une coïncidence? Pour certains, l'idée de l'existence des ovnis peut paraître folle. Pourtant, d'un autre point de vue, cette idée est tout à fait plausible. La Terre est âgée de 4,5 milliards d'années, soit 4 500 millions d'années. Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une autre planète presque comme la nôtre? Disons, une planète âgée de 4501 millions d'années. Ses habitants ont un million d'années d'avance sur nous, et à l'échelle galactique, ils sont presque nos jumeaux. Où serons-nous dans un million d'années? Nous aurons résolu tous ces problèmes et trouvé d'autres voies, qu'il s'agisse de trous de verre ou de brèches spatio-temporelles. Il doit y avoir un moyen de générer de l'énergie afin de pouvoir la tirer du vide. Le fait qu'ils soient présents nous montre qu'ils ont trouvé ce moyen. C'est un choc important pour le système humain. Je comprends que les gens de notre génération qui aspirent à occuper des fonctions politiques, etc., n'osent pas aborder la question. Parce qu'il s'agit là d'une remise en question de notre vision du monde. C'est un défi fondamental à notre vision du monde. Nous en sommes donc là, une espèce relativement immature qui se débat avec une possible autodestruction. Si s'aligner sur le Thor implique de détenir la clé d'une nouvelle forme d'énergie, propre et sûre, imaginez les conséquences. Cela pourrait représenter l'avancée technologique la plus révolutionnaire de tous les temps. Qui ne voudrait pas d'une source d'énergie illimitée et disponible gratuitement? Il s'agit d'une question clé. C'est ce qui m'a conduit au point suivant. Il s'avère que les scientifiques, depuis le début des années 1900, ont mis au point des méthodes alternatives pour accéder à l'électricité sans combustion. Nikola Tesla a cru qu'il avait découvert ce qu'il appelait l'énergie radiante. Beaucoup de scientifiques pensent qu'il a introduit ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie libre. Mais avant que Tesla n'arrive au terme de son projet, son financier et banquier JP Morgan, qui détenait le monopole du cuivre utilisé pour fabriquer les lignes électriques, reconnut que l'invention de Tesla pouvait émettre de l'électricité sans câble et il cessa de financer Tesla. Le laboratoire de Tesla fut réduit en cendres et Tesla fut mis à l'écart. Tout ça parce qu'il avait essayé de mettre en œuvre sa vision d'une énergie illimitée pour tous. Un inventeur contemporain, Adam Trombly, a été inspiré par le travail de Tesla et par les possibilités liées au Thor. Trombly a construit une dynamo, un générateur de courant direct pouvant récupérer l'énergie électrique directement dans l'air. Nous voulions démontrer qu'en imitant le champ magnétique d'une planète et en faisant tourner ce dispositif, nous pouvions créer une dynamo qui fonctionne. Et dans les faits, cela a fonctionné. Cela fonctionne. Lorsque nous contemplons la nature, Jupiter ou une dynamo telle que la Terre tournant dans l'espace, on parle fondamentalement d'un aimant qui évolue dans l'espace. Les lignes de flux de l'aimant se répandent dans ce modèle toroïdal du champ magnétique. Il s'étire et se contracte également. Il respire. Il absorbe littéralement l'énergie de l'espace et la transforme. Rien que dans cet toroïde, nous avons suffisamment d'énergie pour transformer la planète entière. Ce n'est pas juste un exposé théorique, c'est la réalité. Réfléchissez un peu aux implications que cela induit. Cela signifie que n'importe quel endroit sur la Terre dispose soudainement d'énergie. Chaque personne sur Terre dispose soudainement d'énergie. C'est la profusion universelle. Trombly avait été invité à faire une démonstration de l'un de ses générateurs aux Nations Unies et au Sénat américain, mais la première administration Bush a torpillé ces événements.
Ensuite, l'appareil lui-même a été saisi lors d'un raid gouvernemental. L'expérience de Trombly n'est pas un cas unique. À chaque fois, ou presque, que j'ai rencontré l'inventeur d'une technologie prometteuse dans le domaine de l'énergie libre, il m'a raconté une histoire similaire. L'inventeur John Bedini a commencé à travailler en se basant sur les théories de l'énergie radiante de Tesla il y a plusieurs dizaines d'années. Il a produit un éventail de chargeurs de batterie qui généraient plus d'énergie qu'il n'en fallait pour les faire fonctionner. Il a annoncé qu'il allait les commercialiser à bas prix. Peu de temps après, il a été agressé dans son laboratoire et prévenu qu'il ne devait pas fabriquer les machines. Pour sa propre sécurité, il a dû abandonner l'idée de commercialiser des appareils à énergie libre. Tous ces dispositifs proviennent de laboratoires que j'ai personnellement visités. Il est vrai que la qualité de ce film est évidemment mauvaise, et je ne m'attends pas à ce que vous soyez convaincus. Ce que je veux dire, c'est qu'ayant été là-bas avec ces inventeurs, accompagné d'experts, et voyant ces appareils à nouvelle énergie en service, j'ai été convaincu que la technologie est réelle et que ses implications sont exaltantes. Le Canadien John Hutchinson a non seulement créé des piles fonctionnant à l'énergie libre, mais il a également utilisé les théories de Tesla pour contrer la gravité, afin de faire flotter les objets. Cela pourrait révolutionner le domaine de la propulsion. Son laboratoire a été cambriolé et son équipement saisi par la police et les autorités en 1978, 1989 et de nouveau en 2000. L'un des scientifiques avec lequel nous souhaitions nous entretenir dans le cadre de ce film était le docteur Eugene Malov, un ingénieur du MIT et de Harvard, rédacteur en chef du magazine Infinite Energy, qui traite des développements théoriques et technologiques dans le domaine de l'énergie nouvelle. Docteur Malov a été mystérieusement battu à mort en 2004. Si ces inventeurs étaient tous des blagueurs et des charlatans, je me suis demandé pourquoi ils avaient été supprimés de manière si brutale et systématique. J'ai demandé à Adam Trombly, l'inventeur de l'énergie libre, pourquoi il pensait que cette technologie était en cours de suppression et si le phénomène des ovnis y était lié. Plusieurs militaires importants ont pris des risques majeurs en disant « oui, ces choses sont réelles ». Pourquoi pensez-vous que le complexe militaro-industriel ne veut pas entendre parler de ça ? Parce que cela vous pousse à vous demander quel type de technologie se cache derrière. Tout tient à cela. La suppression du phénomène des ovnis va de pair avec celle de ce qu'on appelle l'énergie libre. L'énergie est extraite de la structure de l'espace qui nous entoure, ce qui signifie qu'elle ne peut être mesurée. Il s'agit là d'une menace directe à l'égard de l'industrie la plus importante au monde, celle de l'énergie. Adieu ExxonMobil, adieu pétrole, adieu charbon, adieu lignes électriques, tout cela serait du passé. Malheureusement, il s'agit d'une tirelire de quelque 200 000 milliards de dollars. Les réserves avérées de pétrole, de gaz et de charbon sont estimées à 200 000 milliards de dollars. La révélation de cette information modifierait complètement le pouvoir géopolitique. Plus que tout autre événement jamais enregistré dans l'histoire humaine. Et cela se produirait en une génération. J'ai commencé à étudier ces solutions révolutionnaires, et à ma grande surprise, beaucoup ont été éprouvées dans des centaines de laboratoires à travers le monde. Pourtant, elles n'ont pas vraiment vu le jour. Plutôt que de faire entrer les choses en collision et d'essayer d'en contrôler l'explosion, ces nouvelles technologies comptent sur l'harmonisation, la composition avec ce qui existe naturellement. Le dénominateur commun de l'ensemble des dispositifs à énergie libre que j'ai vus est qu'ils imitent, d'une manière ou d'une autre, la forme d'énergie du tore. Vous n'avez pas besoin de croire en la technologie de l'énergie libre pour vous inquiéter de la répression des idées et des inventions. Je me suis dit, quelle meilleure manière de justifier notre dépendance au pétrole, au charbon, au nucléaire et aux autres technologies dangereuses et impropres que de prétendre qu'il n'existe pas d'alternative meilleure et moins chère.
C'est mon épouse bien-aimée et partenaire créative, Kimberly, qui s'est toujours assurée de me rappeler les implications humaines liées à mes recherches scientifiques. De mon point de vue, aussi intrigant que le Thor, les extraterrestres et l'énergie libre puissent être, la question essentielle restait la suivante. Est-ce que la compréhension de ces choses aiderait vraiment à alléger les souffrances humaines? Et il s'avère que la réponse est oui. Tant de souffrances sur la planète sont liées au manque d'accès à l'énergie. Se chauffer, se nourrir et avoir accès à l'eau, se soigner dans un hôpital, tout ceci est lié à l'accès à l'énergie. S'il existe un modèle fondamental dont je pense que l'évolution serait efficace et qui nous permettrait de créer de nouvelles technologies afin de résoudre ces problèmes, alors cela vaut la peine que j'ouvre mon esprit à ces sujets socialement tabous. Si les technologies de la nouvelle énergie étaient mises à disposition gratuitement à travers le monde, le changement serait profond. Il affecterait chacun d'entre nous et serait applicable partout. Ces technologies représentent la chose la plus importante qui se soit produite dans l'histoire du monde. Donc, étant donné les enjeux, j'ai décidé de me poser les questions suivantes. Qui profite de la suppression de la recherche scientifique? Qui pourrait voir sa richesse et son pouvoir menacés par l'accès à une énergie propre et gratuite? À qui profite un monde où si peu possède tant et inversement? En tant que chercheur indépendant, j'ai suivi l'une des règles fondamentales du journalisme d'investigation. Si une histoire n'a pas de sens, suivez l'argent. Notre dépendance au pétrole assure aux compagnies du secteur énergétique des profits phénoménaux. Je les vois engager d'énormes ressources pour faire barrage aux énergies alternatives, pour contrôler les réserves mondiales et pour maintenir des prix du pétrole élevés. Elles disposent de suffisamment d'argent et d'influence pour supprimer tout ce qui pourrait menacer leur monopole. Mais qui se cache derrière les énormes compagnies du secteur énergétique ? L'empire du pétrole des Rockefeller a démarré en 1870, lorsque John D. Rockefeller a fondé la Standard Oil, devenant ainsi le premier milliardaire américain. Depuis, la Standard Oil est devenue ExxonMobil et a donné naissance à bien d'autres compagnies. Les Rockefeller contrôlent également notre alimentation. À l'origine, ils ont été responsables de la mutation mondiale en faveur d'une agriculture à grande échelle basée sur le pétrole. Je me souviens de la pseudo-révolution verte des années 60 et 70. Comme la plupart des gens, j'ai pensé que c'était une bonne chose. Cependant, l'idée reposait sur la plantation d'énormes parcelles d'une seule culture, utilisant de grandes quantités de pesticides, herbicides et fertilisants à base de pétrole. La révolution verte était une idée originale de la division des sciences naturelles de la Fondation Rockefeller, en partenariat avec de grandes entreprises agricoles. L'agriculture basée sur le pétrole a généré quantité de nouveaux profits pour l'industrie pétrolière, mais n'a jamais tenu ses promesses d'éradiquer la faim et de promouvoir la santé. Au début, elle a augmenté la productivité parce que chaque parcelle était exploitée pour une production immédiate. Mais on peut aujourd'hui constater ses coûts réels. Les contribuables paient des milliards en subventions aux entreprises géantes de l'industrie agroalimentaire. Les petites exploitations familiales ont disparu. La biodiversité est détruite. Les produits chimiques toxiques empoisonnent les ouvriers agricoles et polluent la terre. L'eau et nos réserves en nourriture mettent en danger notre santé à tous. En 2010, près d'une personne sur sept dans le monde n'a pas mangé à sa faim. Les entreprises géantes qui avaient fourni les produits chimiques à l'agriculture industrielle chimique parlaient de trois instruments pour renforcer la chaîne alimentaire. Le premier était le recours au génie génétique comme outil de contrôle. Le deuxième consistait à breveter les graines et la vie comme outil de contrôle en déclarant que les graines relevaient de la propriété privée, traitant la réutilisation de graines par les agriculteurs comme un crime, un vol de propriété intellectuelle. Et le troisième était les soi-disant traités de libre-échange qui devaient priver les gens ordinaires, les agriculteurs, les producteurs de leur liberté de réutiliser des graines.
La conception d'une technologie Terminator permettant de créer des graines stériles et de rendre l'humanité toujours plus dépendante d'une poignée d'entreprises constitue l'ultime étape de ce processus. Ce que nous faisons avec les graines revient à la création inédite d'une nouvelle forme de colonisation que j'appelle la colonisation du futur. Donc, dans deux domaines cruciaux, à savoir l'énergie et l'alimentation, les mêmes familles d'élites issues du monde de la banque et leur entreprise ont pris le contrôle et les conséquences ont été dévastatrices. De mon point de vue, cela a été bouleversant, au début, de découvrir un tel monopole d'influence. Mais je savais que c'était important, un peu comme lorsqu'on apprend qu'on est victime d'une maladie grave mais curable. Il est alors utile d'en comprendre la cause et le fonctionnement si on souhaite la soigner. J'ai donc continué mon enquête. Si de grandes familles issues du monde de la banque contrôlent les marchés du pétrole et de l'alimentation, dans quel autre domaine leur influence s'exerce-t-elle? Comme je suivais la trace de l'argent, j'ai commencé à constater le même schéma de contrôle dans tous les aspects de nos vies. Et j'ai toujours trouvé les mêmes familles à leur tête, soit directement via leurs banques et entreprises, soit indirectement via leurs grandes fondations. Encore une fois, ce sont les Rockefeller qui ont créé la National Education Association, organisation syndicale de l'éducation nationale aux États-Unis, avec l'aide de la Fondation Carnegie, et plus tard, celle de la Fondation Ford. Ce que les capitaines d'industrie attendaient de nos écoles, c'est une main-d'œuvre obéissante et docile, constituée d'employés faciles à gérer et de consommateurs enthousiastes. Les écoles sont faites pour mettre en place des habitudes fixes en réponse à l'autorité. C'est pourquoi cela prend 12 ans. On attend de vous que vous répondiez par réflexe quand une personne avec un statut d'autorité vous dit quoi faire. Tout comme l'éducation, la santé est un autre domaine sous l'influence de l'argent et des grosses entreprises. Par exemple, l'American Medical Association est largement financée par les Rockefeller qui se servent de leur argent pour influencer les recherches et les prises de décision de l'AMA. Le médecin moyen, au terme de 4 années d'école de médecine, aura suivi un cours sur la nutrition, soit 2h30 le plus souvent, dont les supports et les programmes sont fournis par le Conseil national du lait et le Conseil national du bétail et de la viande, ainsi que par d'autres industries telles que l'association sucrière, qui commercialise des produits avant tout néfastes pour notre santé. Malheureusement, le système médical est structuré de telle manière que l'enseignement est prioritairement financé par les laboratoires pharmaceutiques. Le but est donc de fabriquer et de vendre autant de médicaments que possible. C'est également pour le médecin comme pour le laboratoire pharmaceutique et l'ensemble des institutions médicales une manière rapide de faire de l'argent. Mais en fait, cela perpétue les problèmes qu'on était censé résoudre. Les effets secondaires peuvent inclure nausées, sécheresse de la bouche et constipation. Baisse des globules blancs qui peut s'avérer grave. Effets secondaires sexuels, diarrhée, nausées et somnolence peut entraîner le coma ou la mort. Jusqu'où iront ces forces pour faire du profit? Iraient-ils jusqu'à supprimer les traitements des maladies, de la même manière qu'ils ont supprimé la technologie de l'énergie libre? Malheureusement, mes recherches m'ont révélé que la réponse est une fois encore oui. Un exemple bien documenté est celui du docteur Royal Reef. Dans les années 1920, le docteur Reef a inventé les microscopes les plus avancés de son époque. Il a également développé une nouvelle technique qu'il a nommée résonance coordinatrice, qui était apparemment capable de détruire les tumeurs cancéreuses et les virus. En 1934, lors de tests cliniques affiliés auprès de l'Université de Californie du Sud, le traitement de Reef a été testé sur 16 patients en phase terminale de cancer. En l'espace de 3 mois, ils ont tous été guéris. Peu de temps après, un laboratoire testant la technologie de Reef a brûlé et un procès sans fondement a été engagé. Grâce aux efforts de Maurice Fishbein, responsable du journal de l'American Medical Association, le laboratoire de Reef a été fermé et ce dernier ruiné. Son travail aussi brillant que prometteur est tombé dans les oubliettes. Il m'a été difficile d'admettre qu'on puisse vraiment supprimer des traitements médicaux. Le cancer a frappé ma famille comme une rivière déchaînée. J'ai découvert que tout était lié au brevet. Si un laboratoire pharmaceutique peut breveter un traitement et en tirer profit,
Surtout si la prise de ce traitement est à long terme, ils le commercialisent. Sinon, nous n'en entendrons jamais parler. Rife n'a pas été le seul à avoir ses recherches interrompues. René Kess détenait une ancienne formule des Indiens Ojibway, très efficace. Harry Oxie et Max Gerson utilisaient des remèdes naturels qui fonctionnaient. Mais si vous effectuez des recherches plus poussées, l'AMA les a fait passer pour de complets illuminés. C'est en cela que suivre la trace de l'argent a été si utile, car les mêmes pouvoirs qui contrôlent l'AMA, leur recherche et leur financement, contrôlent également les laboratoires pharmaceutiques. Il y a donc une motivation financière de plusieurs milliards de dollars pour supprimer les traitements qui ne peuvent pas être brevetés. Le fait de savoir que des traitements existent n'a pas soulagé la peine que j'ai ressentie suite à la disparition de tant d'êtres chers atteints de cancer. Cela m'a donné un but vers lequel tourner ma douleur. Je crois que si l'on prend tout l'amour et le dévouement qu'on porte à une personne décédée ou sur le point de mourir, et qu'on l'utilise pour développer et fournir ces traitements aux personnes qui en ont besoin, on peut mettre fin à cet héritage du cancer et se sentir mieux. Aussi difficile que cela a pu être, je suis arrivé à une conclusion inévitable et profondément gênante. Je crois qu'une élite et les entreprises qu'elle dirige n'ont pas seulement pris le contrôle de notre énergie, de nos réserves en nourriture, de notre éducation, de nos services de santé, mais aussi de quasiment tous les aspects de nos vies. Et c'est possible en contrôlant le monde de la finance, non pas en créant plus de valeur, mais en contrôlant véritablement la source de l'argent. Lorsque j'ai suivi la trace de l'argent, j'ai découvert que cela me ramenait au niveau d'une pyramide. Nous nous situons à la base, vacants à nos occupations quotidiennes. Au-dessus de nous se trouve le gouvernement. Ces personnes à qui l'on donne le monopole du pouvoir et qui l'utilisent pour nous taxer et nous contrôler, que l'on soit d'accord ou pas. Mais qui les contrôle, eux? Au niveau supérieur se trouvent les entreprises. Beaucoup diraient que désormais, ce sont les entreprises et non pas les États-nations qui dirigent le monde. Ils parlent de corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, cette corporatocratie doit avoir accès à un argent de faible valeur. Les grandes entreprises obtiennent leurs prêts à des taux préférentiels auprès des grandes banques, ce qui signifie que les élites aisées qui contrôlent les plus grosses banques contrôlent ces entreprises. En suivant la trace de l'argent, j'ai appris que presque toutes mes croyances à son sujet étaient fausses. Il est intéressant de voir à quel point on se pose si peu de questions sur toutes ces choses de la vie quotidienne. Lorsque, par exemple, nous nous rendons dans une banque et que nous demandons un prêt de, disons, 50 000 dollars ou 50 000 livres, que se passe-t-il vraiment? La plupart des gens vivent leur vie en se basant sur une vague image de ce qui se passe. Ce qui se passe réellement lorsque vous demandez 50 000 livres, c'est qu'ils saisissent ce nombre sur votre compte. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne frappent pas de pièces, ils n'impriment pas de billets, ils ne déplacent pas de métal précieux, ils mettent seulement la somme de 50 000 livres sur votre compte à partir d'un écran d'ordinateur. À partir de ce moment, vous commencez à payer des intérêts sur de l'argent qui n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Il s'avère que l'argent prêté ne représente en réalité qu'un 1/9 de l'argent dont les banques disposent dans leur coffre-fort. Cela est possible grâce à ce que l'on appelle les prêts de réserve fractionnaire. La réserve fédérale américaine, ou la banque centrale dans tout pays, a légalement le droit de fixer le montant qu'une banque doit avoir en réserve. Aux États-Unis, ce montant se situe actuellement autour de 10%. Donc, si vous déposez 10 000 dollars à la banque en met de côté 10%, soit 1 000 dollars, puis prête le reste de votre argent. Pour comprendre le fonctionnement de ce système, admettons qu'une personne vienne à la banque et demande un prêt de 9 000 dollars pour l'achat d'une voiture. À ce moment, ce sont les 9 000 dollars de votre dépôt d'origine que la banque prête. Dès lors, l'argent n'est plus là. L'emprunteur paie ensuite le vendeur de la voiture et l'argent est déposé dans une autre banque qui fait partie du même système bancaire central. Ces 9 000 dollars sont traités comme un nouveau dépôt et le processus continue. L'argent est à nouveau déposé et prêté jusqu'à ce que le dépôt initial de 10 000 dollars se transforme en une somme de 100 000 dollars. Le système bancaire a simplement créé 90 000 dollars en prêtant votre argent. Apparemment, cela a débuté avec les orfèvres du XVIIe siècle, lorsque la monnaie d'échange était l'or.
L'or était lourd à porter. Le véritable métal était donc stocké dans les coffres-forts et le commerce s'effectuait grâce à des récépissés. Ces récépissés représentaient la première forme d'argent papier. Étant donné que seules quelques personnes retiraient leur or à n'importe quel moment, les propriétaires des coffres-forts, essentiellement les nouveaux banquiers, ont commencé à créer des récépissés pour plus de métaux qu'ils n'en avaient réellement. Ils ont prêté ces récépissés et facturé des intérêts sur de l'argent, en l'occurrence de l'or, qu'ils ne possédaient pas réellement. C'est ainsi que notre système de réserve fractionnaire a vu le jour. Dans ce système, les banquiers sont supposés créer de l'argent à partir de rien, alors que le reste d'entre nous doit travailler dur pour le gagner. Cela a engendré une forme moderne de servitude, dans laquelle la masse de la société travaille désormais pour s'acquitter de ses dettes auprès des banques. Avec ce schéma de système de réserve fractionnaire, nous devenons inévitablement des esclaves de la dette d'une classe dirigeante financière. Non pas parce que ces dirigeants sont meilleurs ou plus intelligents, mais parce qu'ils ont manipulé le système à leur avantage et au détriment de la plupart des gens sur la planète. Catherine Austin Fitts est une experte de la question. Elle a été sous-secrétaire d'État au logement et au développement urbain pendant le mandat du président Bush, père, puis conseillère auprès de l'administration Clinton. Faisons une partie de Monopoly et admettons que vous souhaitiez acheter la rue de la paix. Je peux tout simplement imprimer de l'argent en permanence, m'en donner plus et abaisser ainsi la valeur de votre argent en imprimant toujours plus. Peu importe que vous travailliez dur ou que vous réussissiez dans la vie, je peux toujours vous acheter gratuitement. Alors comment se fait-il que si vous ou moi créons de l'argent, cela s'appelle de la contrefaçon, mais que si ce sont les banques qui le font, on appelle cela de l'augmentation des réserves en argent? Comment les banques ont-elles obtenu ce pouvoir? C'est en 1910, sur l'île Jekyll, que les représentants des familles Rockefeller, Rothschild, Morgan et d'autres banquiers privés se sont réunis en secret pour rédiger l'avant-projet de législation qui créera la Réserve fédérale américaine. Ed Griffin a retranscrit dans un livre ce qui s'est passé sur l'île de Jekyll. Les banques centrales sont des cartels bancaires qui ont établi un partenariat avec les gouvernements respectifs des pays où elles opèrent et à qui on a donné le monopole de la création des réserves d'argent d'une nation. C'est le cadeau que leur ont offert les politiciens, si l'on peut dire, pour le partenariat. Que font les banquiers pour les politiciens en retour? Puisqu'ils détiennent le pouvoir légal de le faire, ils promettent de créer de l'argent à partir de rien, chaque fois que le gouvernement en a besoin. Et depuis 2008, nous avons été les témoins de la plus importante période d'impression de faux argent de l'histoire. Ce tour de passe-passe financier dissimule les coûts, protège les responsables et fait de nous des esclaves de la dette qui doivent travailler pour rembourser la facture. Le service des recettes internes a été créé la même année que la Réserve fédérale américaine en 1913 et l'impôt sur le revenu a ensuite été introduit afin que vous et moi payions la dette des politiciens plus les intérêts aux banquiers. Tout cela est plutôt révélateur. Le problème est qu'aux États-Unis, nous disposons d'un système de banque centrale privée déguisé en un système qui appartient au gouvernement. Si vous regardez dans l'annuaire de la ville Washington et cherchez la réserve fédérale dans les pages bleues caractéristiques du gouvernement, vous découvrirez qu'elle n'y est pas. Vous la trouverez dans les pages blanches, juste à côté de l'entreprise FedEx. C'est une banque centrale privée. Quelle devrait être la relation appropriée entre le président de la Réserve fédérale américaine et le président des États-Unis? Avant tout, la Réserve fédérale est une agence indépendante. Cela signifie essentiellement qu'aucune autre agence gouvernementale ne peut revenir sur nos décisions. Nous disposons d'une banque privée qui imprime de l'argent pour le compte du Trésor américain. La Réserve fédérale imprime l'argent dans le cadre d'un système basé sur la dette, ce qui crée une pénurie. Mais cela signifie que, contrairement à nous, un groupe d'initiés a accès à toutes les données économiques. Vous avez donc un petit groupe de banquiers qui comprennent les données relatives au fonctionnement de l'argent dans l'économie, et cela leur donne la capacité d'imprimer de l'argent de manière à ce qu'il soit protégé, alors que le reste du monde ne l'est pas.
Catherine a ensuite comparé une économie saine à un tort plein de vitalité, équilibré, libre et dynamique, par opposition à ce qui se passe dans notre économie actuelle. C'est un système très dynamique et qui tend vers l'optimisation. Mais il y a un ver solitaire au cœur de ce système. Un ver solitaire injecte une substance chimique dans votre corps qui vous donne une furieuse envie de ce qui est bon pour le ver, mais néfaste pour vous. Vous vous retrouvez avec un parasite très manipulateur et qui se goinfre au détriment du tout. Nous vivons dans une économie du ver solitaire, où l'élite financière représente ces vers qui se nourrissent sur notre dos. Et ils n'aiment pas que l'on fasse voler leur couverture en éclats. Après que Catherine a commencé à dénoncer la corruption du gouvernement au plus haut niveau, le FBI a fait irruption dans son entreprise et a saisi ses biens. Elle a été traînée en justice pendant 10 ans avant d'être déclarée innocente. Nous avons donc la Réserve fédérale américaine, une entreprise privée avec un monopole sur la création de l'argent, mais sans responsabilité, soutenue par un gouvernement qui détient le monopole du pouvoir. On a vendu au pays l'idée que la Réserve fédérale était une institution qui aiderait à stabiliser l'économie et resterait indépendante de la politique. Mais dans les faits, en presque un siècle d'existence, elle a tout simplement fait le contraire. Depuis qu'elle existe, nous avons été volés à travers l'inflation et le pouvoir d'achat du dollar a baissé de plus de 97%. Et le fossé des richesses révèle clairement que peu de personnes détiennent la grande partie de l'argent. 16 ans seulement après la création de la Réserve fédérale, les États-Unis ont subi la Grande Dépression. Ma recherche a révélé que les banquiers de l'élite ont retiré leur argent de la bourse avant le crash boursier de 1929. Après le crash boursier, ils ont utilisé cet argent pour acheter des actions à bas prix et des banques plus petites en faillite pour une bouchée de pain. Parmi les banquiers qui ont consolidé leur richesse de cette manière, on trouve les Rothschild, les Rockefeller et les Morgan. Un scénario similaire s'est déroulé lors de l'effondrement financier de 2008, avec les mêmes banquiers tirant profit de la situation. Dans les années précédant cet effondrement, les plus grandes banques, notamment la Bank of America, Citigroup et Chase, contrôlées par les Rothschild, les Rockefeller et les Morgan, ont rassemblé et vendu des mauvais prêts dont ils savaient qu'ils ne seraient pas remboursés. C'est comme mettre des oranges pourries dans une boîte et les étiqueter qualité supérieure. Puisqu'ils ont été les premiers à avoir étiqueté les boîtes, ceux qui ont regroupé la dette étaient bien placés pour savoir qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que quelqu'un n'ouvre cette boîte et ne découvre que son contenu était sans valeur. Lorsque les oranges pourries, c'est-à-dire les prêts douteux, les produits dérivés et les contrats d'échange sur défaillance, ont été finalement découverts, tout le monde a été touché. Les gens ont perdu leur maison, leur emploi, leur entreprise et leur retraite. Entre-temps, les plus grosses banques, à l'origine du problème, se sont renflouées. Pourquoi la Réserve fédérale aurait donné des milliers de milliards de dollars aux banques, alors que la majorité des Américains étaient contre l'idée de les renflouer? Et pourquoi ne pas venir en aide aux plus démunis, plutôt que de soutenir les instigateurs de l'effondrement financier? Ma recherche m'a conduit à croire que les mêmes personnes qui avaient créé la Réserve fédérale, c'est-à-dire les Rothschild, les Rockefeller et les Morgan, la contrôlent toujours et l'utilisent pour se renflouer à notre détriment. Beaucoup de banques créées représentent toujours le lobby le plus puissant au Congrès. Et franchement, on peut même dire que cet endroit leur appartient. Je suis convaincu que le quasi-effondrement de l'économie en 2008 est le résultat d'un plan de type « prendre et laisser tomber », orchestré, conçu et mis en œuvre par les grands banquiers pour renforcer leur richesse et leur pouvoir. David Icke explique comment il voit la Réserve fédérale américaine manipuler les pseudo-cycles d'activité. La première étape s'apparente au lancer d'une ligne de pêche. Première étape, vous mettez en circulation une quantité importante d'argent, des unités d'échange. Pour ce faire, vous baissez les taux d'intérêt en accordant un grand nombre de prêts. Cette partie du cycle s'appelle un boom. Parce qu'il y a beaucoup d'unités d'échange en circulation, beaucoup d'argent passe de main en main, ce qui génère une activité économique intense.
Cela génère de l'emploi et comme de plus en plus d'argent est dépensé, la demande augmente, les entreprises contractent plus de prêts d'argent frais afin d'augmenter leur production. Au quotidien, les gens sont confiants. Hey, tu sais, je travaille pour cette entreprise qui croule sous les commandes, ça marche vraiment bien. J'ai un travail sûr. D'ailleurs, nous sommes sur le point d'acheter une plus grande maison. Et puis, quelque chose change. Ils tirent sur la ligne de pêche. Ils font grimper les taux d'intérêt. De moins en moins de personnes contractent des prêts. Et de toute façon, les banques renforcent les critères pour pouvoir obtenir un prêt. De même, étant donné que les taux d'intérêt ont augmenté, une partie plus importante du revenu de la population sert à rembourser les intérêts supplémentaires et non pas à acheter des biens. Tout d'un coup, il n'y a plus autant d'argent en circulation. C'est pourquoi les achats de biens baissent. Les entreprises commencent à voir leurs profits diminuer, elles commencent à supprimer des emplois et leur activité ralentit. Les gens perdent leur emploi. Ils ne peuvent plus honorer l'hypothèque qu'ils ont prise sur la grande maison qu'ils avaient achetée lorsque tout allait bien. Les banques commencent alors à ramener la ligne de pêche. Car puisque les entreprises et les particuliers font faillite, ce sont elles qui possèdent la véritable richesse. Les propriétés, les terres et les ressources pour lesquelles elles avaient accordé, d'une signature, des prêts de simples chiffres sur un écran. Ce cycle économique consistant à jeter la ligne de pêche, à la ramener, à injecter une grande quantité d'unités d'échange dans l'économie fonctionne depuis des siècles. Le résultat ? Le vol et l'accumulation de la véritable richesse du monde dans les mains d'une poignée de personnes. À un niveau international, les banques centrales utilisent la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour créer plus d'argent pendant qu'elles exploitent les ressources des pays auxquels elles prêtent et conduisant, dans le même temps, à la faillite. La Banque centrale des banques centrales est la Banque des règlements internationaux créée par la famille Rothschild. L'élite se positionne de manière à contrôler l'accès à tout ce dont nous avons virtuellement besoin pour survivre. Peu importe où vous allez dans le monde, le système bancaire contrôle l'argent. Les banquiers décident si les gens peuvent manger ou non, qui est milliardaire et qui vit avec moins d'un dollar par jour. Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde et très peu de personnes contrôlent l'argent. À ce stade, ma vision du monde a été bouleversée. J'ai réalisé que l'échec et la souffrance de tant de personnes représentent le succès et l'accomplissement d'une poignée de personnes. C'est-à-dire l'élite des banques centrales qui a convaincu le monde de les laisser créer de l'argent. Ils disposent déjà de fortunes conséquentes. Alors quel est leur objectif final? Quel est leur vrai programme? Je suis sans cesse tombé sur des preuves irréfutables et des experts crédibles qui m'ont expliqué que le programme secret de l'élite bancaire n'était rien d'autre que la domination mondiale. Au début, je ne voulais pas le croire, mais j'étais déterminé à découvrir ce qui nous empêchait de prospérer, peu importe où cela pouvait me mener. Une nuit, je me suis réveillé à 3 heures du matin avec une question brûlante en tête. Si ce petit groupe souhaite dominer le monde dans sa totalité, que doit-il contrôler pour atteindre son but? J'ai sauté de mon lit et commencé à établir une liste. Avant toute chose, il doit contrôler l'argent. C'est chose faite. Le contrôle de l'argent lui permet de diriger tout le reste. Il a ensuite besoin de contrôler l'énergie. C'est chose faite. Il contrôle déjà l'agriculture industrielle et le commerce mondial. Il est en train d'acheter toutes les réserves d'eau de la planète. Il possède également la santé. Il essaye d'ailleurs de supprimer les alternatives naturelles. Il lui faudrait contrôler les informations qui nous sont disponibles et nos réactions face à celles-ci.
l'Internet, notre outil de communication et d'organisation de masse le plus précieux, n'est ni contrôlé ni censuré aujourd'hui aux États-Unis. Mais ce statut ouvert est attaqué de tous côtés. Les gouvernements, les entreprises et les Nations Unies tentent tous de s'en emparer. Pour établir une domination totale, les dissidents doivent être contrôlés. Il lui faudrait nous confisquer nos droits, espionner des citoyens ordinaires et scruter le moindre aspect de nos vies. Au petit matin, je savais qu'une élite de puissants avait presque tout mis en place pour dominer le monde. Et j'ai compris alors avec effroi que Big Brother n'allait pas arriver. Il était déjà là. Nous sommes déjà dans la matrice. Comment en sortir ? Pour envisager ce que j'avais compris, je devais découvrir à quoi ressemblait et comment fonctionnait leur structure de domination. Un groupe relativement restreint, composé de quelques familles, notamment les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan et les Carnegie, ainsi que les Harriman et les Schiff, les Warburg, sont à la tête de l'élite dirigeante dans l'Occident depuis des générations. Je ne suis pas en train de dire que chacun des membres de ces familles ont un rôle à jouer dans ce programme de domination mondiale, ni même qu'ils en sont conscients. En revanche, je suis convaincu que les chefs de ces dynasties contrôlent les intérêts commerciaux et financiers qui servent à exécuter ce sombre projet, responsable de la destruction de si nombreuses vies. Les personnes qui mettent en place ce programme dans le secret sont connues sous de nombreux noms. Des rapports ayant filtré ont révélé qu'ils se réunissent partout dans le monde, à l'abri des regards, pour discuter de leur programme. Ensuite, avec la précision d'une montre suisse, leurs plans commencent à apparaître dans les secteurs médiatiques, financiers, commerciaux et militaires. Bien entendu, toutes les personnes impliquées dans ces groupes ne prennent pas part aux décisions. Il existe une hiérarchie en termes de savoir et d'implication. L'œil omniscient est l'un des principaux symboles de cette élite dirigeante. Il figure sur le billet de 1 dollar, sur les emblèmes du système de surveillance de masse américain appelé « connaissance complète de l'information » et de l'agence de renseignement britannique MI5, et surplombe même la Cour suprême de l'État d'Israël, conçue et financée intégralement par les Rothschild. Je pense qu'ils ont repris l'image majestueuse de la pyramide de Khéops et de son légendaire sommet métallique afin d'en pervertir le sens. Les personnes au sommet de la pyramide peuvent suivre et contrôler celles qui se trouvent au-dessous. Certains ont utilisé ces informations de façon malhonnête afin de promouvoir l'antisémitisme. Ils prétendent, à tort, que ce programme est l'œuvre des Juifs et alimente un racisme permanent qui ébranle et détruit tant de vies. Que ce soit clair, ce programme n'est certainement pas l'œuvre des Juifs. Des recherches ont montré que les dirigeants des banques centrales ont financé les deux camps lors de la Seconde Guerre mondiale, et même certaines entreprises complices d'Hitler dans les atrocités commises envers les Juifs. Étant donné que ces personnes disposent de plus d'argent que leur famille n'en aurait besoin pendant des générations, et étant donné qu'ils détiennent le pouvoir de créer de l'argent, je ne pense pas que la richesse soit leur objectif final. Une fois que vous possédez tous les biens matériels dont vous pourriez rêver dans la vie, que reste-t-il d'excitant? Pour la majeure partie des gens, la réponse est le pouvoir mondial. Ils sont devenus une élite intellectuelle. Ils ont commencé à penser qu'ils avaient un meilleur plan que celui de n'importe qui d'autre. Ils ont dans l'idée que la liberté est dangereuse. Si vous donnez la liberté aux gens, que vont-ils en faire? Ils ne vont probablement pas l'utiliser de façon raisonnable comme on pourrait le penser. Nous sommes plus intelligents qu'eux, et pour leur propre bien, nous devons les diriger. Alors que j'en étais arrivé à accepter l'idée d'une élite dirigeante planifiant une domination mondiale, j'ai commencé à entendre ces mêmes personnes en parler publiquement et plus directement, sauf qu'ils l'appelaient le nouvel ordre mondial. Lorsque nous réussirons, parce qu'il ne fait aucun doute que nous réussirons, nous pourrons établir ce nouvel ordre mondial. Il s'agit d'un nouvel ordre mondial qui se caractérise par des défis significativement différents et radicalement nouveaux. Un nouvel ordre mondial peut être créé, il s'agit là d'une opportunité extraordinaire. Étant donné l'état de notre monde actuel, un nouvel ordre mondial semble être une grande idée. Mais je devais faire la distinction entre ce que j'avais découvert à propos de la domination mondiale, un gouvernement mondial unique dirigé par une petite élite, et la réalité de notre interdépendance mondiale, c'est-à-dire la prise de conscience qu'à un niveau fondamental et même spirituel, nous ne sommes pas séparés,
nous sommes liés. Mais le programme relatif à la domination mondiale est l'exact opposé. C'est une stratégie du divisé pour mieux régner, destinée à nous opposer les uns aux autres, à nous faire penser que ce sont les démocrates ou les républicains, les libéraux ou les conservateurs qui représentent le problème. Alors qu'en fin de compte, les deux clans servent les mêmes intérêts. Je crois que nous nous dirigeons vers une autorité mondiale totalitaire. En réalité, une dictature militaire menée par une petite élite qui possède tout le pouvoir et établit toutes les règles. S'ils y parviennent, il n'y aura nulle part où s'enfuir, nulle part où se cacher. Pensez-y. La notion tout entière de conspiration a été si ridiculisée qu'il est socialement stimulant de simplement l'envisager. Et il y a toujours une histoire qui semble raisonnable pour expliquer chaque incident. Personnellement, j'ai essayé de justifier comment les mêmes personnes se retrouvent systématiquement avec plus d'argent et plus de contrôle. Je me suis dit qu'elles doivent simplement tirer avantage de la situation, sans réellement la provoquer. Mais après presque une décennie passée à rassembler des preuves pour répondre à mes questions, je suis convaincue que ce n'est pas le fruit du hasard et que quelques familles très puissantes dans le secteur bancaire et appartenant à l'élite, ainsi que leurs partenaires politiques et des grandes entreprises, ont bel et bien un programme pour dominer et contrôler le reste de l'humanité. Après avoir pris conscience de la réalité et de l'étendue du programme, j'ai dû me poser sérieusement la question : jusqu'à quel point ai-je envie de savoir ? Est-ce que je veux me focaliser sur le pire dont sont capables les êtres humains ? J'ai décidé qu'il valait la peine de savoir qui étaient ces personnes et comment leur organisation fonctionne, car à l'opposé de la rage et de la tristesse, il y a la clarté et la force. Le pouvoir que nous détenons de concentrer efficacement nos efforts, maintenant que nous comprenons ce qui se passe vraiment. La plus grande prison dans laquelle les gens vivent est celle de la crainte de ce que les autres pensent. En ce qui me concerne, j'ai été tellement ridiculisé que j'ai finalement dépassé la crainte de ce que les autres personnes pensent. Et ce n'est que lorsque vous y arrivez que vous prenez conscience de la prison dans laquelle vous viviez auparavant. Et j'en ai retiré une compréhension personnelle de la facilité qu'ont quelques-uns à contrôler les masses. Tout ce que vous avez à faire est de dicter les normes de la société, ce qui est jugé vrai et faux, moral et immoral, bon et mauvais, sain et malsain, possible et impossible. Et vous construisez ce que j'appelle une zone de tranquillité. Et si vous vivez à l'intérieur de cette zone de perception, de croyance, de parole et de pensée, alors les gens vous laisseront tranquille. Vous serez considéré comme normal. Les Illuminati ont créé une population humaine entière constituée de geôliers qui se ruent sur ceux qui sortent de la norme. Une fois que vous êtes sorti de cette prison et que vous commencez à exprimer votre singularité, vous êtes victime de ces geôliers. Il est intéressant d'arriver à la limite de cette zone de tranquillité en termes de parole et de pensée. Vous ne pensez pas, si je pense, qu'en est-il du président de la Banque mondiale ? Que va-t-il dire si je fais ça ? Non. Que penserait votre mère ? Et les types du bar, les collègues de travail, que diraient-ils ? En créant les normes, les Illuminati ont donc créé une armée absolue de personnes qui s'imposent ces normes les unes aux autres. Leur stratégie grandiose de domination mondiale est en train d'être mise en œuvre. Ils divisent le monde en super-États qui dépassent les frontières nationales pour qu'il soit plus facile pour eux de nous gérer. Ils ont déjà établi l'Union européenne et l'Union africaine. Des politiciens américains, canadiens et mexicains, sous couvert du partenariat pour la sécurité et la prospérité, travaillent sur la partie nord de ce qui pourrait être, sans doute, être appelé des plans pour l'Union américaine. Cela dure depuis des années sans le consentement des citoyens ou du Congrès. Une union du Pacifique est déjà en train d'être mise en place. Il s'agit de la charte organisationnelle pour la tyrannie mondiale, la structure pour un contrôle total. Voici deux des hommes les plus puissants d'Europe parlant de passer un gouvernement unique mondial. Il est extrêmement important qu'au sein de cette nouvelle gouvernance mondiale, et plus particulièrement des deux côtés de l'Atlantique,
nous appliquions les mêmes règles de la même manière. The implementation of the same rules in the same fashion. 2009 est également la première année de gouvernance mondiale avec la création du G20 au beau milieu de la crise financière. Au niveau international, l'élite des banques centrales a mis en place d'énormes organisations pour faire appliquer leurs politiques, notamment l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds monétaire international. Grâce à son expérience de plusieurs décennies en tant que tueur à gages économiques, John Perkins sait comment la connivence entre les banques, les entreprises et les gouvernements leur a permis de s'emparer de pays dans le monde entier. Beaucoup de techniques ont été utilisées, mais la plus courante consiste à aller dans un pays qui dispose de ressources que nos entreprises convoitent, comme le pétrole. Nous convenons d'un énorme prêt à ce pays par l'intermédiaire d'une organisation comme la Banque mondiale ou l'une de ses sœurs. Mais presque tout l'argent va aux entreprises américaines, comme Bechtel, Halliburton, General Motors, General Electric, et non au pays. Et elles conçoivent d'énormes projets d'infrastructures dans ce pays. Centrales électriques, autoroutes, ports, complexes industriels, des choses utiles aux riches mais auxquelles les pauvres ont rarement accès. En réalité, les pauvres souffrent parce que ces énormes prêts doivent être remboursés. Et leur remboursement signifie que les pauvres ne bénéficieront pas de l'éducation, de la santé et des autres services sociaux. Le pays se retrouve intentionnellement avec une énorme dette sur les bras. Nous, les tueurs à gages économiques, revenons dans ce pays et disons, vous voyez, vous nous devez beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas rembourser vos dettes, donc donnez-nous une livre de chair. Dès qu'un président anti-américain est élu, l'un d'entre nous entre et dit « Eh, félicitations, monsieur le président. Maintenant que vous êtes président, je veux simplement vous dire que je peux vous rendre très très riche, vous et votre famille. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars si vous acceptez de suivre nos règles. Si vous n'acceptez pas, j'ai dans cette poche un revolver avec une balle à votre nom, au cas où vous décidiez de maintenir vos promesses de campagne et de nous jeter dehors. » Vendez votre pétrole à bas prix à nos compagnies pétrolières, ou soyez de notre côté lors du prochain vote des Nations Unies, ou envoyez des troupes soutenir les nôtres dans des endroits tels que l'Irak. Et c'est de cette manière que nous avons réussi à construire un empire mondial avec en fait très peu de personnes au courant de nos méthodes. Comme beaucoup de gens, j'ai pensé qu'une conspiration pour établir une domination mondiale ne pourrait pas vraiment fonctionner parce que fondamentalement, les gens ne sont tout simplement pas aussi compétents. J'ai pensé qu'ils n'arriveraient pas à mettre au point un tel plan avec les niveaux nécessaires de contrôle et de confidentialité. L'un des faux espoirs est que tout ceci arrive parce que le gouvernement est incompétent. C'est une énorme erreur et les gens ne le savent pas. C'est bien sûr une excellente couverture parce que le système sait où il va. Et il va exactement là où il veut et y réussit très bien. Enfin, je me suis demandé comment quelque chose de si grand et de si corrompu pouvait être tenu secret. Il s'agit d'une structure simple, et si ce n'était pas simple, cela ne fonctionnerait pas. Cette structure peut être comparée à une pyramide compartimentée. Si vous regardez n'importe quelle organisation aujourd'hui, peu importe s'il s'agit d'une entreprise internationale, d'une université, d'un gouvernement, d'une société secrète, toutes sont structurées telles une pyramide. Alors que la CIA et les autres agences de renseignement parlent, ils ne divulguent les informations qu'aux personnes concernées. Ne divulguez aux gens que ce qu'ils ont besoin de savoir pour apporter leur contribution et pas plus. Prenez une banque individuelle. Non pas que ça existe réellement. À la base, vous trouvez les personnes que vous voyez quand vous donnez votre chèque au comptoir de la banque. Elles ne savent pas ce que le directeur de la banque derrière elles sait et de quoi il parle. Elles savent seulement ce qu'elles ont besoin de savoir pour effectuer leur travail. Le directeur de la banque ne sait pas non plus ce qui se passe au niveau supérieur. Pas plus que le niveau supérieur ne sait ce qui se passe encore au-dessus. Et finalement, vous avez quelques personnes au sommet de la pyramide de cette structure bancaire. Ce sont les seuls qui sachent quel est le réel programme de la banque et dans quelle direction elles vont et pourquoi. Ce type de cloisonnement explique comment le projet Manhattan, le projet de développement de la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale, a pu être tenu secret, bien que 130 000 personnes travaillent dessus. Quand j'ai pris connaissance de l'envergure et des objectifs du programme pour la première fois, je me suis sentie comme si j'avais la grippe depuis 2 semaines. Mais il m'est ensuite venu à l'esprit que c'était une tentative bien planifiée, bien orchestrée, d'écraser le potentiel humain. Et enfin, notre intelligence éclate au grand jour. Même si nous avons été systématiquement déstabilisés et réprimés, les gens ont trouvé des solutions innovantes, ingénieuses, à un grand nombre des problèmes auxquels nous faisons face.
Ce n'est pas notre faute si nous n'avons pas vu à quel point ce plan était organisé et voulu. C'est notre défi. J'ai regardé le monde que l'élite dirigeante nous a déjà donné. Et j'ai pu que me demander, dans quel type de monde vivrions-nous s'il détenait la domination absolue et totale sur chacun et partout? Dans ce nouvel ordre mondial, qu'est le leur, un petit nombre de personnes exercent un contrôle total sur les vies de chacun par le biais d'un système de surveillance intrusive, une répression violente des dissidents et l'esclavage de la dette. Imaginez de toutes petites îles d'opulence entourées d'une mer de misère, où la mission des militaires est de protéger les nantis contre les démunis. J'en suis arrivé à croire que leur but est réellement inquiétant et qu'ils ne reculeront devant rien pour continuer à mettre leur plan en application. Aussi difficile que cela puisse être à accepter pour les Américains, je ne suis pas convaincu que le programme de l'élite mondiale prévoit la destruction de la force et de la souveraineté financière des États-Unis. Avec leur histoire faite de liberté d'expression et de révolte armée, les États-Unis représentent l'obstacle majeur au renforcement mondial du pouvoir. S'ils peuvent parvenir à renverser ce pays, je crois que l'élite internationale a pour ambition de transférer le pouvoir et la productivité des Américains à leur dictature mondiale unique, en prenant progressivement le contrôle de nos vies dans ce que David Icke appelle le totalitarisme sur la pointe des pieds. Pensez-y, nous sommes tellement endettés que nous ne pourrons jamais les rembourser. Ils font faire s'effondrer le dollar et ils essaient de le remplacer avec une monnaie mondiale du FMI. Cette pression pour une monnaie électronique mondiale sans espèces permettrait à une autorité centrale d'immobiliser tout individu ou groupe en un instant. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire, on propose d'instaurer des taxes internationales sous le prétexte de régler les problèmes de changement climatique. Tel un cheval de Troie, le projet de traité dévoilé lors de la conférence de Copenhague sur le climat de 2009 fait appel à nos préoccupations sur l'environnement tout en nous détournant du fait que cette taxe carbone sans précédent serait versée à la Banque mondiale et que son application serait assurée par la police mondiale. Il existe d'autres moyens de traiter le besoin évident de réduire la pollution sans créer une base imposable pour la tyrannie. Vous voulez changer la société, mais vous savez que si vous le faites ouvertement, vous allez générer des réactions négatives. Donc vous ne le faites pas ouvertement. Vous jouez au jeu du problème-réaction-solution. Première étape, vous créez un problème. Cela pourrait être un attentat à la bombe, cela pourrait être un 11 septembre, une attaque de devises, un effondrement du marché boursier ou du gouvernement. Vous racontez aux gens votre version de A, qui en est à l'origine, et B, pourquoi. À partir de là, le schéma problème-réaction-solution s'effondrerait si nous pouvions compter sur des médias qui fassent vraiment du journalisme. Mais au lieu de ça, les médias traditionnels agissent comme des agences de relations publiques pour la version officielle des événements. Il s'avère que le président George W. Bush avait raison sur le fait que Saddam Hussein dissimulait des armes de destruction massive. Les médias traditionnels représentent pratiquement le seul moyen ou source d'information dont la population dispose au sujet de cet événement. Et ce qu'ils cherchent, dans le cadre de la deuxième étape du schéma problème-réaction-solution, c'est de déclencher une réaction de colère et de peur. Ils veulent que la population demande au gouvernement de faire quelque chose. Cela ne peut pas durer. Que comptez-vous faire à ce sujet ? Cela conduit à la troisième étape, où ceux qui ont créé le problème récoltent la réaction qu'ils attendaient de la population sur la base d'une histoire erronée et lui offrent des solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. L'utilisation des catastrophes, qu'elles soient fabriquées ou simplement utilisées, m'a permis de comprendre finalement jusqu'où ces gens sont prêts à aller pour atteindre leurs objectifs. Des recherches ont démontré que nous nous sommes engagés dans la guerre du Vietnam sous de faux prétextes. L'ancien secrétaire de la Défense, Robert McNamara, a reconnu que l'attaque d'un navire dans le golfe du Tonkin n'a en fait jamais eu lieu. Nous pensions tous avoir été attaqués ce jour-là, mais c'était faux. Cela ne s'est jamais produit. Plus récemment, le président Bush a envahi l'Irak en prétextant l'existence non avérée d'armes de destruction massive.
On fait parfois référence à ces tactiques sous le nom de « opération sous fausse bannière ». Un nombre croissant de personnes croient que le 11 septembre était une opération sous fausse bannière lancée par l'élite mondiale afin de mettre en place l'étape destinée à prendre le contrôle du pétrole du Moyen-Orient et à démanteler les protections constitutionnelles américaines. There are lives in the valley. There are people under fire. There are children at the cannon. There is blood on the wire. There is blood on the wire. There is blood on the wire. There is. La majeure partie de ce qui est nécessaire pour mettre en place un État policier est, en fait, déjà en place. Aujourd'hui, aux États-Unis, n'importe qui peut se retrouver emprisonné sans avertissement et sans bonne raison. On peut être kidnappé, torturé et assassiné légalement si le gouvernement décide que l'on représente une menace à ses projets. Tout ce qu'ils ont à faire est de nous désigner comme suspects dans leur pseudo-guerre contre le terrorisme. Nous sommes de plus en plus surveillés. En 2010, il y avait 30 millions de caméras de surveillance répertoriées rien qu'aux États-Unis. Lorsque nous manifestons, nous sommes désormais relégués dans des zones appelées, et c'est un euphémisme, zones de liberté de parole. Quelle zone ? Pour la liberté de parole ? Chaque coup de téléphone que nous passons et chaque email que nous envoyons est répertorié et archivé et peut être inspecté à tout moment. Nos permis de conduire et nos passeports sont équipés de puces informatiques qu'on a implantées à l'intérieur afin de tracer chacun de nos mouvements. Désormais, les patients des hôpitaux se voient implanter les mêmes puces sous la peau. En fait, c'est Procter & Gamble qui a initialement développé ces puces dans le but de tracer ces produits. On le présente toujours comme un moyen d'aider. Mais même un directeur assistant de la CIA a admis qu'il s'agissait aussi d'une porte ouvrant vers l'implantation de puces sur nous tous, pour un meilleur traçage et un meilleur contrôle. Ces contrôleurs aspirants, via les US Space Command, ont mis en place les grandes lignes d'un plan intitulé « Domination totale, tous azimuts ». Une surveillance satellite sophistiquée, ainsi qu'une énergie dirigée et des armes laser d'ores et déjà développées ont la capacité de cibler les dissidents partout sur la Terre. Je crois qu'ils tentent également de s'assurer qu'ils pourront agir de manière efficace, sans résistance. Des camps de confinement de l'Agence fédérale des situations d'urgence, FIMA, ainsi que des wagons pourvus de menottes, ont été récemment construits ou rénovés à travers tous les États-Unis pour ce que les fonctionnaires officiels nomment les périodes de troubles pandémiques ou civils. Il existe une autre prise de conscience encore plus brutale à propos du programme de domination mondiale que je souhaite partager. J'ai eu beaucoup de mal à la comprendre, mais en l'ignorant, cette enquête serait dangereusement incomplète et nos stratégies de solution manqueraient d'informations. Lors de mes recherches, je suis tombé sur des preuves convaincantes laissant à penser qu'ils planifient, entre autres, d'éliminer la majorité de la population mondiale. Aussi fou que cela puisse paraître, on peut se dire qu'il serait plus facile pour eux de mener à bien leur quête du contrôle absolu s'ils avaient moins de personnes à gérer. À chaque fois que j'ai pensé, ils ne feraient pas ça, j'ai découvert que j'avais tort. J'ai découvert des informations effrayantes, révélant que l'eugénisme est l'un des piliers de leur plan. L'eugénisme se définit comme la pratique par laquelle des personnes décident qui vaut la peine de vivre et qui n'en vaut pas la peine. L'un des moyens insidieux de la mise en place de ce plan secret est la stérilisation. En 1904, les Carnegie ont financé le premier laboratoire d'eugénisme à Cold Spring Harbor, Long Island. Les Rockefeller ont financé des programmes eugéniques visant à une stérilisation forcée des personnes de couleur et ont financé l'Institut Kaiser Wilhelm en Allemagne pour faire avancer le programme de suprématie raciale adopté plus tard par Hitler. En 2007, le département de l'agriculture et le département de la sécurité intérieure des États-Unis ont financé un projet envisageant la pulvérisation aérienne au-dessus des zones urbaines de la Californie du Nord, regroupant plus de 7 millions d'habitants. Après que les citoyens se sont organisés contre ce plan, les fonctionnaires du gouvernement ont été forcés de révéler que le produit à pulvériser contenait de multiples toxines qui pouvaient causer des maladies et perturber le cycle reproductif.
Heureusement, la résistance civile a stoppé ce projet. Le gouvernement américain a été surpris plus de 30 fois en train d'expérimenter secrètement des substances chimiques toxiques sur ses propres citoyens, qu'il s'agisse de soldats, de prisonniers, d'Américains natifs dans les réserves ou de villes et de comtés entiers. La stérilisation secrète en masse des femmes et des jeunes filles, en général à l'aide d'additifs aux vaccins, a été révélée au Brésil, à Porto Rico, au Nicaragua, au Mexique et aux Philippines. Ces actions ont été conduites sous les auspices de programmes tels que le Population Council de John D. Rockefeller, le Département de la Santé, de l'Éducation et de l'Aide sociale des États-Unis, dont Nelson Rockefeller était le sous-secrétaire, et l'Organisation mondiale de la Santé, créée par Rockefeller et Syngenta, en coopération avec le Département de l'Agriculture et le Département de la Défense des États-Unis, ont testé sur le terrain une souche spermicide de maïs génétiquement modifié qui rendrait les consommateurs masculins stériles. Cela a été annoncé de façon discrète comme étant une contribution au problème de la surpopulation mondiale. Et la liste ne s'arrête pas là. En ce moment, la fertilité humaine sur le plan mondial est en fort déclin. Je suis convaincu que ce n'est pas un accident. Ma volonté d'envisager et d'effectuer des recherches sur un programme de dépopulation directe a constitué une étape critique dans la représentation que je me fais de ce système, mais également pour apporter des réponses à la hauteur du défi auquel nous faisons face. Je sais que cela peut paraître fou, mais imaginez que nous soyons en 1932 en Allemagne. Si je vous disais que lors de la prochaine décennie, des millions de personnes seraient exterminées, vous me diriez « Impossible ! Personne ne ferait une telle chose. » C'est à ça que ressemble le dépeuplement aujourd'hui. Je suis convaincu que je n'exagère pas la situation. Se pourrait-il que j'ai tort ? Peut-être. Mais si ce n'était pas le cas ? Nous nous trouvons à un croisement critique dans l'évolution humaine. Une des routes mène à la tyrannie et à une possible autodestruction. L'autre nous conduirait vers une civilisation pacifique et saine, basée sur le respect des droits et de la liberté de chacun sur la planète. Pour partir dans cette direction, il ne tient qu'à vous et moi de dégager cette route. Le temps est venu de dire « assez ». Il existe une autre voie. Je pense que tous ensemble, nous disposons de la connaissance, des ressources et des solutions nécessaires pour relever ce défi. Je considère ce processus comme rien de moins qu'une lutte pour l'âme de l'humanité. Cela commence avec un changement de vision du monde, en répondant à la question « Qui sommes-nous vraiment ? Qu'est-ce que la nature humaine ? Sommes-nous, nous les humains, ce que l'élite veut nous faire croire, des créatures stupides, avides, qui, si elles étaient laissées à elles-mêmes, tomberaient dans la violence et le chaos et qui, pour leur bien, nécessitent d'être contrôlées par une élite autoproclamée ? Où sommes-nous naturellement aimants et créatifs? Je crois que quand les gens seront en bonne santé et qu'ils auront ce qu'il faut pour survivre, nous pourrons créer un monde basé sur l'intégrité, la liberté et la compassion. Un monde dans lequel chacun pourra prospérer. De laquelle de ces deux visions sera fait notre avenir ? C'est à nous de choisir, maintenant. Le programme de l'élite dirigeante résulte d'une vision du monde destructrice, basée sur leur croyance qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, que certaines personnes sont plus méritantes que d'autres et que leur propre sécurité dépend du maintien d'un contrôle absolu sur le reste d'entre nous. En bref, leur vision du monde est basée sur la pénurie et la peur. Mais aussi puissants qu'ils soient, les architectes du nouvel ordre mondial ne peuvent créer leur abominable vision sans notre complicité. Pour les arrêter, pour rendre leur programme obsolète, nous devons nous réveiller. Nous devons agir. Il s'agit du dernier effort, d'une phase particulière de la civilisation. C'est le dernier souffle, et j'utilise souvent la métaphore de la chenille se transformant en papillon, car la chenille croque,
son chemin à travers l'écosystème. Elle est très destructrice, mange 300 fois son poids en une journée, jusqu'à n'en plus pouvoir, se suspendre et s'endormir, avant que sa peau se transforme en une chrysalide solidifiée. Puis dans son corps, vous avez ses cellules imaginales, comme les appellent les biologistes, qui se forment, et le corps de la chenille devient une véritable source nutritive pour ces cellules. Mais ce qui est important au sujet de cette métaphore, c'est que l'ancien et le nouveau coexistent pendant un laps de temps. L'essentiel pour la chenille, c'est de préserver sa vie. Aujourd'hui, c'est un gouvernement désespéré qui essaie de contrôler le pétrole au Moyen-Orient et qui veut promouvoir l'énergie nucléaire et tout ce qui va avec. Ils en savent long, mais ils doivent se protéger eux-mêmes. C'est leur travail. Mais si vous aimez les papillons, il ne faut pas marcher sur les chenilles. On ne peut donc pas les détester, cela ne donnerait rien de bon. Mais si vous désirez de l'énergie alternative, ne demandez pas à une administration de l'économie pétrolière de la produire pour vous. Nous devons la produire nous-mêmes. Nous, cellules imaginales, devons montrer qu'elle est moins chère, plus rentable et plus efficace. Notre travail consiste à construire le nouveau monde. Si nous avions une vision globale pour nous dire que la crise est une naissance et que l'on a besoin de tout le monde, que tout le monde pourra obtenir ce qu'il désire vraiment, nous pourrions transformer ce monde de désespoir en la renaissance de la créativité et de l'amour de l'homme. Il peut sembler que l'élite dirigeante dispose de toutes les cartes, mais nous avons beaucoup d'atouts dans notre manche. D'abord, parlons chiffres. Peu de gens appliquent sciemment le programme de domination. La plupart de ceux qui participent à la mise en place de ce plan ne comprennent pas le tableau d'ensemble auquel ils prennent part. Selon mes calculs, nous sommes plus d'un million de fois plus nombreux que les véritables architectes du plan, rien qu'aux États-Unis. L'écologiste et entrepreneur Paul Hawken estime qu'il existe désormais plus d'un million d'organisations dans le monde qui travaillent pour la justice sociale et environnementale, soit le plus grand mouvement social de l'histoire de l'humanité. Ce mouvement, connecté électroniquement, pourrait devenir un réseau de réseaux qui constituerait la force activiste pour le changement la plus puissante de tous les temps. Si l'on se penche sur les personnes qui sont engagées dans la rénovation de cette terre, qui s'impliquent pour stopper les dommages, résister à la déprédation, nourrir le changement et réimaginer ce que signifie être un humain, même sans être optimiste, on a la surprise de constater qu'il y a dans ce monde un groupe de personnes extraordinaires, beaux, splendides, fervents, qui se bat pour tout ça. Le second atout dont nous disposons est que tous les centres de pouvoir que l'élite contrôle nécessitent notre participation. Si un nombre suffisant d'entre nous lui retire son soutien, leur plan ne peut pas fonctionner. C'est vrai pour les banques centrales, les institutions militaires, les médias institutionnels, le gouvernement et bien d'autres. Et suivant l'exemple de Mahatma Gandhi et de Martin Luther King Jr., nous détenons le pouvoir de non-participation non violente. Essayer de dominer la vie des autres requiert une quantité énorme d'énergie, de ressources et de tromperies. D'un autre côté, si nous nous tournons vers la liberté, nous avons pour nous la force évolutionniste de la vie et ce que Gandhi appelle Satyagraha, ou le simple pouvoir de la vérité. En Inde, on trouve des milliers de villages qui sont désormais des zones de liberté. Nous n'accepterons donc plus les brevets, nous ne coopérerons plus, de la même manière que Gandhi n'a pas coopéré avec les lois sur le sel. Nous ne permettrons pas que les substances chimiques et les cultures génétiquement modifiées s'installent dans nos écosystèmes parce qu'elles menacent la biodiversité. Et ce mouvement pour la liberté, qui concerne toutes les espèces, et pas seulement à l'espèce humaine, est quelque chose qui grandit très rapidement et se reflète dans le mouvement en faveur des zones sans OGM en Europe. En un clin d'œil, un autre millier de zones sans OGM, 90% de l'Italie, 90% de l'Autriche. Les zones de liberté par rapport aux graines et à l'alimentation créent des changements conséquents. En Bolivie, un mouvement citoyen a pris d'assaut les rues en tapant sans arrêt sur des pots et des poêles et est finalement parvenu à stopper les entreprises étrangères à racheter leurs ressources d'eau.
Bien que les médias institutionnels fassent de la rétention d'informations, il existe un nombre incalculable de belles réussites qui se produisent chaque jour dans le monde entier. Je ne souhaitais pas réaliser ce film sans être sûr qu'il existe des réponses pour faire face à la crise. Et aujourd'hui, le pouvoir d'Internet nous permet de partager l'étendue et la profondeur de cette recherche. Nous avons passé des années à créer un vaste site web, thrivemovement.com, qui rassemble tout et diffuse l'information, ainsi que ce que nous pouvons en faire. Il est accessible à tous. Vous y trouverez vraiment votre propre module de navigation pour aller plus loin dans les sujets principaux abordés dans le film, code, problèmes et solutions. Vous pouvez étudier les stratégies et les tactiques et vous connecter avec les autres afin de mettre en place des actions importantes. Chaque fait énoncé dans ce film a été vérifié par une autorité extérieure dont vous trouverez la référence sur notre site web. Ce navigateur de secteur facilite la pensée de systèmes entiers qui reconnaît que les actions effectuées dans un domaine ont un impact sur tous les autres. Le centre du navigateur de secteur s'appelle « Vue du monde » car il détermine comment nous expérimentons tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Dans chaque secteur, vous trouverez des questions critiques, des ressources, des stratégies de groupe et des actions individuelles pour apporter un réel changement de manière pacifique et productive. Notre arbre de ressources vous mettra en lien avec les personnes, les organisations, les médias que nous vous recommandons le plus pour vous aider à vous instruire et à vous engager encore plus. On m'a encouragé à découvrir qu'il existe un certain nombre d'actions qui, rassemblées, peuvent faire le poids. Ce n'est pas sans fin. Une fois que l'on a une vision de l'image dans sa globalité, nous cherchons à savoir ce que chacun d'entre nous peut faire pour aider à l'accomplir. Jetons un œil aux antidotes stratégiques, à leur domination économique. Nous devons cesser tout renflouage des banques ou des entreprises, démanteler la réserve fédérale, retirer le soutien des contribuables aux agences bancaires centrales telles que le FMI ou la Banque mondiale, permettre le développement de monnaies alternatives et de banques indépendantes et refuser les taxes internationales. Je mets l'accent sur les solutions qui existent aux États-Unis, car c'est ce que je connais le mieux. Mais comme la situation est globale, voici les principes sur lesquels les stratégies de solutions sont basées. Voici quelques actions tactiques que nous pouvons entreprendre en tant qu'individus, qui ne prennent pas beaucoup de temps ou d'argent et permettent d'établir une réelle différence sans plus attendre. Soyez informés, intervenez et mettez-vous en lien avec les autres. Choisissez une banque locale. Lorsque nous transférons notre argent depuis les grandes banques centralisées vers des coopératives de crédit et des banques possédées localement, nous retirons notre financement au problème pour financer la solution. Achetez et investissez de manière responsable. Chaque dollar dépensé véhicule un message. Rejoignez le mouvement. Nous devons auditer et mettre fin à la réserve fédérale. Elle nous vole. Rejoignez une coalition pour que l'Internet reste juste et ouvert. Ne laissez personne s'en emparer. Soutenez les médias indépendants. Multipliez vos sources d'informations. Et demandez-vous qui finance les journaux que vous lisez. Achetez des aliments bio, sans OGM. Militez pour des élections honnêtes, pour la traçabilité des bulletins de vote et pour une réforme du financement des campagnes électorales. Le Congrès nous rendra des comptes uniquement lorsqu'il ne sera plus financé par des entreprises privées. Exigez de nouveaux modes de production d'énergie renouvelable. Demandez un débat ouvert sur l'énergie libre. Le bouleversement de la dynamique énergétique sera le changement le plus rapide que l'humanité ait jamais connu. Participez aux actions de masse critique. Cette stratégie de mise à profit de notre énergie consiste à attendre qu'un grand nombre d'entre nous soient d'accord pour entreprendre une action. Imaginez 1 million de personnes agissant à l'unisson. Imaginez bien plus encore. I've been...
Le nombre de solutions à notre disposition et de personnes s'employant à en trouver de nouvelles m'a inspiré. J'ai été particulièrement touché par le travail effectué par Akilah Sherrills. Il est parvenu à négocier une trêve entre les gangs des Crips et des Bloods. Le processus de négociation de paix dans ces quartiers nous a fait découvrir que le conflit peut être sain. En fait, ce sont les conflits non résolus qui mènent à la violence. La première année d'application du traité de paix a été un vrai succès. Les homicides au sein des gangs ont chuté de 44% dans le quartier grâce à notre action. Akilah décrit le déroulement de la rencontre entre deux chefs de gangs rivaux après la trêve. Le type est allé le voir et lui a dit « Écoute mec, je sais que t'as des choses à me reprocher. Et moi aussi j'ai peut-être des choses à te reprocher. » Puis il a dit « Mais avec la trêve, je suis prêt à mettre tout ça de côté. » Il a ensuite tendu la main, il l'a serré dans ses bras et il a dit avoir fermé les yeux car il s'attendait à se faire poignarder dans le dos. Il s'attendait à recevoir une balle dans le ventre. Mais après quelques instants, il s'est rendu compte que cette accolade était sincère. Je crois qu'il est aussi nécessaire de bien connaître notre potentiel que de découvrir ce qui nous empêche de l'exploiter. Je veux ainsi vous emmener vers un futur auquel il est possible d'accéder. Il s'agit d'un monde que l'élite s'efforce à qualifier de chimérique. Mais je suis convaincu qu'il est parfaitement possible de l'atteindre. Nous pouvons créer un monde dans lequel l'humanité pourrait prospérer, dans lequel nous nous sentirions en sécurité. Un monde où l'air, l'eau et la nourriture seraient sains. Un monde dans lequel les communautés seraient en mesure de produire leur propre énergie, leur propre nourriture. Un monde dans lequel le commerce serait ouvert et équitable. Au lieu d'être répressive, la justice travaillerait à reconstruire des vies et à consoler les pertes. Les assurances paieraient les médecins pour veiller à notre santé. L'éducation est volontaire, en servant les besoins des individus et non pas celles des entreprises. Les médias seraient indépendants et intègres. Un monde sans subvention ni renflouage. Imaginez, avec un système monétaire honnête, avec peu ou pas de taxes et des factures énergétiques faibles, vous auriez assez d'argent pour rembourser votre maison et votre voiture. Vous pourriez épargner et investir. Vous seriez plus riche, plus libre et plus en sécurité, en travaillant autant, voire moins. Imaginons que je mette en place un fonds commun de placement dans mon quartier et que tous mes voisins en soient actionnaires. Bien, imaginons qu'ils aient fait quelque chose pour l'environnement et que la valeur de leur action est augmentée. Ainsi, au lieu de perdre de l'argent, ils en gagnent. Ils gagnent de l'argent en assurant la sécurité de leurs enfants et en sauvant la planète. Vous obtenez donc le beurre et l'argent du beurre. Au lieu de travailler toute la semaine pour gagner de l'argent et de sauver la planète le week-end, vous pouvez faire les deux en même temps du lundi au vendredi, puis passer le week-end à la plage par exemple. Cette vision d'un monde prospère s'appuie sur ce que l'on pourrait appeler la perspective de la liberté. Cette approche repose sur un principe simple. La non-violation. Personne ne peut porter atteinte à votre liberté ou à votre propriété et inversement, à l'exception des cas de véritable légitime défense. J'ai découvert qu'il s'agit de la seule règle que toute personne est prête à accepter, au moins pour elle-même. Je suis convaincu que la non-violation constitue le vrai nord de la boussole des valeurs morales de l'humanité et qu'elle est au centre de nos instruments de navigation. Cette idée peut nous guider et protéger chaque individu à mesure que nous mettons en place des systèmes gratuits et autosuffisants. Je suis prêt à défendre ce mode de vie de tout mon être et sans aucune réserve. Les travaux de l'économiste autrichien Ludwig von Mises m'ont profondément influencé. Il a développé tout un système philosophique et économique basé sur l'éthique fondamentale de la non-agression. Témoin des ravages du communisme et du fascisme en Europe, il a passé sa vie à tenter de trouver une voie équitable. Il a reconnu que ces systèmes, de même que le socialisme, et même la démocratie, présupposent à tort que les droits collectifs ou du groupe sont plus importants que ceux de l'individu. J'avais jusqu'alors toujours accepté l'idée que pour prospérer, il fallait prendre en compte les besoins du groupe avant ceux de l'individu. En étudiant cela de plus près, je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. Les gouvernements, au nom du bien commun, se sont rendus responsables de la plupart des guerres,
des morts et de la destruction de la planète. Plus de 200 millions d'individus ont été tués uniquement au cours du XXe siècle. Comment pouvons-nous donc appliquer le principe de non-violation pour inverser cette dynamique? Il nous faudrait passer de la modification progressive d'un système fondamentalement vicié à une transformation totale, où non pas certains, ou même une majorité, mais tout le monde aurait la possibilité de prospérer. Pour mettre en œuvre ce principe de non-violation, il est, à mon sens, nécessaire d'étudier notre passé. Il ne servirait à rien de bâtir un système de vie sain au-dessus d'un système malade. Nous devons revenir aux actes d'injustice les plus profonds sur lesquels notre pays est construit. La confiscation des terres appartenant au peuple, le massacre de leurs femmes et enfants, et la misère dans laquelle nous avons plongé leurs survivants est un mal si absolu que nous pensons devoir y faire face de manière absolue. Nous devons comprendre que ces torts n'ont pas simplement été commis il y a 150 ans. Ces torts s'inscrivent dans le présent, chaque jour. L'histoire de l'Amérique du Nord et des États-Unis témoigne de plus de 500 traités signés avec les nations autochtones. Ils ont tous, sans exception, été violés. Des richesses en quantité incroyable sont créées à partir des terres et des ressources des peuples autochtones. L'exploitation de ces terres et de ces ressources par des entreprises privées et des nations européennes rapporte des milliards de dollars chaque année. Si les grandes entreprises ou les gouvernements occidentaux ne définissaient pas comment vous et moi sommes liés aujourd'hui dans notre pays, quelle forme prendrait ce rapport à l'autre? En quoi serait-il différent? Il nous faudra du temps et du courage pour faire évoluer les mentalités et mener à bien les tâches qui nous conduiront au monde dont je vous parle. Et pourtant, je ne connais pas de plus beau cadeau que nous puissions faire aux générations futures. Nous ne pouvons pas tout faire en même temps. C'est pourquoi j'envisage un processus en trois étapes. La première étape consiste à rapporter un maximum d'intégrité aux systèmes existants. En divisant par deux le budget de la défense des États-Unis, il resterait toujours plus ou moins égal aux dépenses militaires du reste du monde. Ces réductions de budget et la suppression de la réserve fédérale pourraient libérer plus de 1 000 milliards de dollars par an. Assez d'argent pour nourrir toute l'humanité, résoudre les problèmes sociaux et sauver notre environnement. Nombreux sont ceux qui pensent que la famine et la pauvreté généralisées sont inévitables. En comparaison de la guerre, éliminer la pauvreté et rétablir notre environnement ne coûte pas cher. Selon l'Institut politique de la Terre, dirigé par Lester Brown, le rétablissement de l'environnement de la Terre et l'accomplissement des objectifs sociaux globaux coûteraient moins de 200 milliards de dollars par an. Cette étape n'est toutefois pas l'objectif final de la perspective de la liberté. Si la première étape contient beaucoup de compassion généralement associée à un programme libéral-démocrate, la deuxième étape reflète plutôt la sagesse et la vision du monde des milieux traditionnels et conservateurs. La deuxième étape consiste à restreindre le rôle des gouvernements dans la protection des libertés individuelles et la gestion des éléments que nous partageons, comme les écosystèmes et les ondes que nous utilisons pour communiquer. Une fois que le système aura gagné en intégrité et que la monnaie sera renforcée, les gens auront assez d'argent pour contrôler tout ce qui a une incidence sur eux. La troisième étape est la conséquence de l'accroissement des libertés obtenues par le peuple au cours des deux premières étapes, étant donné qu'il dispose de plus d'argent et de temps. Il n'existe aucune taxe obligatoire et par conséquent, aucune gouvernance obligatoire. Il n'existe pas de monopole du pouvoir. Il existe des règles, mais pas de souverain. La protection rigoureuse des droits individuels s'avère être la clé du respect de notre interdépendance. Nous pouvons être à la fois différents et unifiés. Aussi utopique que cela puisse paraître, j'ai été enthousiasmé par la quantité de réflexions pratiques engendrées par des problèmes tels que les services de santé, la criminalité et l'éducation. Ces trois étapes allient les meilleurs éléments du libéralisme et du conservatisme qui nous ont divisés pendant si longtemps. Ces deux courants de pensée sont réconciliés à un nouveau niveau, autour d'une éthique fondamentale que nous partageons tous, la non-violation. La troisième étape honore la motivation humaine et inclut enfin les droits, non pas de nombreux,
non pas d'une majorité, mais de tous les êtres humains. Le Tor apporte un modèle pour une société basée sur l'intégrité et la plénitude. Il conserve ce qui fonctionne et dispose d'un retour intégré qui lui permet de se corriger automatiquement et d'innover pour maintenir son équilibre. Nous pouvons appliquer ces capacités de la dynamique du Tor à nos systèmes sociaux. Je suis intimement convaincu que l'alignement conscient sur le modèle de l'énergie vitale fondamentale à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental, interpersonnel et environnemental, constitue l'art, la science et la célébration de l'amour. Et c'est ce que nous devons apprendre. L'idée fondamentale d'un lien qui nous unit a changé ma vision du monde. Dans ma propre vie, j'ai trouvé une expression concrète de cette philosophie dans la pratique d'un art martial moderne et non violent, l'aïkido. L'aïkido apporte une aide précieuse pour répondre efficacement et pacifiquement au programme de domination mondiale. Morihei Ueshiba, son fondateur, enseignait que pour pratiquer l'aïkido, il faut imiter le mouvement des atomes et des galaxies. De la même manière que la technologie de l'énergie libre se confond avec le modèle toroïdal pour produire une énergie illimitée, l'aïkido, la voie de l'harmonie, se confond avec l'énergie d'un agresseur avant de la rediriger vers une résolution pacifique. Gandhi et Martin Luther King ont appliqué ces principes d'énergie non agressive aux niveaux économiques et social. Si nous réagissons violemment au programme de domination, autrement que par la légitime défense, cela ne fera que perpétuer le vieux paradigme du « nous contre eux » et fournir une excuse pour la mise en place de nouvelles mesures étatiques répressives. Je pense qu'il est essentiel, d'un point de vue moral et stratégique, que nous suivions la voie de la non-agression. Il existe un autre aspect du Tor dont nous pouvons nous inspirer pour relever les défis auxquels nous faisons face. L'immobilité absolue, le point zéro qui réside au centre de chaque système toroïdal. Je pense que vous et moi, ainsi que tout être vivant, sommes des champs d'énergie torique centrés grâce à l'immobilité et connectés les uns aux autres, ainsi qu'à la conscience infinie d'un univers vivant. Bien que je bénéficie de l'expérience des autres, comme je l'ai souligné ici avec les instruments de navigation, et malgré la valeur des retours quotidiens sur ce qui se passe aujourd'hui, comme le montrent les constantes, j'ai fini par comprendre que notre principale boussole est notre guide intérieur. À mesure que nous réduisons le bruit et amplifions ce signal intérieur, il nous est possible d'entendre la voix du savoir qui prodigue de sages conseils. Nous avons une vie intérieure, dynamique et éclatante. C'est elle qui nous guide sur le chemin que nous empruntons au dehors. Si votre vie intérieure pilote la manière dont vous vous détachez dans ce monde, il n'est pas inutile, si vous souhaitez avoir un contrôle sur votre avenir, d'établir un lien avec cette vie intérieure. Il vous faut établir un lien avec le pilote. En développant une relation avec cette entité qui est aux commandes, il apparaît une synergie, une relation symbiotique dans laquelle notre vie intérieure collabore avec cet avenir que nous choisissons et nous pouvons y parvenir. Les conséquences de nos actions ne sont pas aussi anodines que nous le pensons. Si nous voulons guérir le monde, nous devons changer de cap. Pas seulement au niveau personnel, mais de manière collective. C'est notre histoire collective qui se révèle au travers du monde. L'humanité est à présent dans une phase fascinante de l'évolution, dans laquelle nous passons d'une compétition hostile et agressive, caractéristique des jeunes espèces, à un mode de coopération et de collaboration plus adulte. Il ne fait aucun doute que dans ce pays, l'argent et le capital se concentrent toujours plus dans les mains d'une poignée d'individus. Et ces puissants les concentrent encore davantage. Toutefois, il existe une force plus puissante encore. Cette force, c'est le pouvoir du peuple.
Lorsque l'on étudie la crise aujourd'hui, il est facile de ne plus croire en la vie. Il est si facile de sombrer dans le pessimisme et le désespoir. De mon point de vue, en revanche, la crise a évolué au point d'atteindre le seuil d'une prise de conscience globale. Et ce sentiment, au fond de moi, me donne l'énergie et me dit que même si mon action semble insignifiante au regard de ces problèmes titanesques, cet élan de l'évolution est tout sauf insignifiant. Et lorsque ce sentiment gagnera tous ceux qui prennent conscience, il deviendra gigantesque. And when it's in everybody who's waking up, it's huge. And as more and more of us are waking up, à mesure que nous prenons conscience, que nous nous associons et que nous prenons la parole, le plan de domination mondiale est mis à jour. Nous découvrons des solutions qui rendent possible ce monde que nous désirons et que nous méritons. À plusieurs reprises au cours de l'histoire, lorsque le peuple a vu planer le spectre de la tyrannie, il a uni ses forces et a combattu au nom de la liberté. Je suis certain que l'humanité regardera en arrière et sera fière de nous pour avoir agi à un moment crucial. Merci d'avoir pris le temps de faire ce voyage avec nous. Je suis persuadé que nous sommes capables de prospérer. Faisons-le. Let's make it happen.
We all have what it takes to thrive. We come together when the waters rise. There's a stirring deep inside. We come together to stand up for our life. We all have what it takes to thrive. We come together when the waters rise. There's a stirring inside. We come together to stand up for our lives. We all have what it takes to thrive. We come together while the waters rise. There's a stirring deep inside. Deep inside. We come together to stand up for our lives. Takes to thrive.